raison d'être heureux, pas besoin de mettre un maillot, euh, des serpentins, des, des survêtements, des, 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 des cure dents aux pieds. Bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue euh, sur euh, sur le Footway pour le débrief de ce, de ce match euh, match nul qui a un goût de de, de défaite. C'est euh, un petit peu le cas. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut Reizo, salut euh, salut Likamea, salut Co Ko, bienvenue, bienvenue. C'est la première fois qu'on te voit ici. Bienvenue. Chaque semaine le même scénar scénario qui se répète en boucle exactement. Hein, C'est c'est très très en contre beaucoup de points, beaucoup de points qu'on laisse euh, qu'on laisse partir. Salut Rafouts, euh, salut Monsieur Ne sais pas. Bonsoir messieurs. Et bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Euh, J'ai déjà m'adresser à, à, à Taken parce que Ferrandino, comme, euh, comme vous en avez l'habitude, il, il a envie d'exploser. Donc Taken, comment as-tu trouvé ce match en quelques mots pour, euh, pour décrire ton ressenti L'équipe a publié avant-hier que l'OL avait beaucoup travaillé, notamment sur le physique, durant la trêve, avec beaucoup de joueurs qui étaient restés au club, euh, un peu par dépit, à cause justement pour les Brésiliens des matchs euh, de sélection annulés mm. et pour certains joueurs africains euh, tout simplement pas de... pas de sélection, notamment pour Kadewere. Il y a juste euh, euh, ben, les final, joueurs algériens euh... qui ont pu partir en sélection hein, dans côté Afrique. Exactement, et ouais. au final, j'ai l'impression que le travail supposément physique n'a servi à rien, puisque ce soir, les mêmes joueurs étaient complètement, euh, complètement KO à la 60e. Et puis surtout, tu l'as dit en intro, match nul, je rajouterais même match nul, nul, ou nul comme match nul, parce que là, c'était vraiment euh, peu d'intensité, peu de, de dynamisme, peu d'envie, beaucoup de, de petites erreurs un peu à droite à gauche. C'est très, très frustrant ce soir. Beaucoup de petites erreurs qui font énormément. Euh... De différence à la fin. Et donc toi, Fernino. Je vais rebondir tout de suite sur ce que vient de dire Taken. Euh, je trouve assez drôle de mettre un quantitatif devant les mots dynamisme et intensité. C'est-à-dire que tu as dit peu. Moi, je mettrais même pas de quantitatif en fait, parce que quand on est à ce niveau-là, c'est même pas peu. C'est rien du tout. C'est rien. On n'a rien fait. On mérite rien sur ce match. Le, le match nul. Il est déjà complètement immérité. Alors, après, quand en plus, à la 85e, on s'imaginait peut-être faire un giga hold-up et aller gagner ce match euh, ric je ne sais trop par quel, par quel miracle. Euh... C'est parce qu'on a vu des scénarios voilà. comme ça, donc c'est l'espoir. <laughs> le football peut, peut avoir des, des magnifiques fins, mais bien sûr, une, ça aurait été un, un résultat absolument pas mérité pour, pour l'OL. été ça aurait été surtout une terrible fin pour Lens. Lance qui a, été, qui a été, une belle équipe ce soir, une belle équipe ce soir, et surtout le plus important, le plus important dans ce que je viens de dire, le mot le plus important, c'est le mot équipe, parce que oui, Lance c'est une équipe. Est-ce que nous on était une équipe ce soir Je ne crois pas. En tout cas, personnellement je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat et euh, mes, mes, mes collègues, mais moi j'ai pas vu d'équipe ce soir. Et euh, dans le chat, salut original whisky, salut euh, salut Franck Bonsoir, euh, bonsoir à tous, salut Théo, et merci, pour, merci beaucoup pour le, le feu, John Jean Godz. merci énormément, merci aussi à, à, à Glondudis qui a follow uh, il, il y a une heure pendant le match, <laughs> incroyable, merci Mais énormément, pas follow tous on, est, euh, les deux, euh, on est 25 sur le live, qui on est 25 actuellement, merci énormément, salut Polydor. Bonsoir, euh, oh. bonsoir à tous, installez-vous, prenez votre, votre petit café, votre tasse football si vous en avez une. Peut-être peut même une camomille là, pour euh, <laughs> descendre un petit peu. Euh, là on est quand même sur, sur une, une dister classe, une de plus. Euh, Sacré on, est le, on, on, est le, on est le 3 avril, euh, je dirais que ce match a deux jours de retard. Ça aurait été un bon, un bon poisson d'avril, il <laughs> y a deux jours. Malheureusement, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Et malheureusement, cette réalité, on en a conscience depuis, euh, depuis la reprise des, des matchs retour. Il n'y a rien dans le jeu, il n'y a rien dans l'intensité, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de résultats. Et à terme, et ben on va le payer. Euh, au jeu, ce week-end, on est les grands perdants avec le PSG. Mais le PSG, eux, ils ont euh, des joueurs qui peuvent faire la différence vraiment à tout moment et vraiment tout seul. Donc euh, bon, c'est que, que, que voulez-vous que je vous dise euh, ce soir on, on a perdu beaucoup euh, et, quand, euh, et quand moi j'évoquais il y a déjà euh, plusieurs mois euh, la, la, la possibilité qu'on arrive quatrième, moi j'ai de plus en plus peur que ça mmh. se produise parce que si on relève pas la tête, si on relève pas la tête, on est capable de perdre contre Dijon. On ne fait rien sur un terrain. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas, de, y a pas de, même de... Enfin, je sais pas, tu fais une passe, tu lâches le ballon, qu'est-ce que tu fais derrière Ce pas tu t'arrêtes, c'est tu redemandes le ballon, tu fais quelque chose, tu crées du mouvement. Là, le, les, les porteurs de balles, je ne sais pas si vous avez vu, la tête des porteurs de balles, à certains moments, au cours de la rencontre, ils étaient dépités, parce qu'autour, personne ne bougeait, personne Memphis il a râlé plein de fois. Alors Memphis il a tout raté hein, quand, il, il, quand il a eu le ballon dans les pieds. Hein. Mmh. Il a tout raté mais au moins j'ai eu l'impression qu'il avait une conscience que ce qu'on faisait c'était de la merde. <laughs> C'est vrai qu'il a beaucoup râlé sur le terrain ça a même été repris plusieurs fois par les commentateurs et à juste titre et à la fois contre l'équipe mais surtout pour soi-même je pense. Merci à Morisson pour le follow, merci énormément. Bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue. -toi. Et toi euh, Juste par rapport au, au, au classement, euh, le fait d'avoir le point de match nul, si on se tourne un petit peu plus vers le futur, ça a énormément de... Merci beaucoup, Iris, pour, euh, pour ton follow. Merci beaucoup. Ça a beaucoup d'importance pour euh, la suite du championnat. Si vraiment on se tourne sur... Euh, ok, on est à, à tant de nombre de points, les autres équipes aussi, on est quatrième. Euh, je crois, euh, actuellement, oui. au, au classement. Et on est non pas à 3 points de Paris, mais à 2 points. Et le fait qu'on ne soit pas euh, à 3 points veut dire que la différence de but de Paris, euh, que Paris a euh, de beaucoup, hein, je crois, ils ont 10-15 buts de, de plus que nous en différence de but. Ça veut et dire que. Par à nous. Ça veut dire que on est quand même. Enfin, s'il y a une défaite de Paris et une victoire de Lyon. Dans les futurs matchs, euh, sans prendre en compte euh, Lille, on peut quand même à nouveau repasser devant Paris. Donc, encore une fois, rien n'est joué. On... on perd des points très bêtement. Et ça, c'est. Ça, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais euh, la Champions League n'est pas encore euh, euh, complètement euh, à mettre de côté. Et merci beaucoup ah bah, pour mais, euh, non, mais, tous les folos. Mais Il y a intérêt. Il y a intérêt à ce qu'on la mette pas de, de, de côté. <laughs> Elle est encore possible. C'est une nécessité. On est obligé. Enfin, il faut y aller. là, Comment est-ce qu'on peut se permettre, avec l'effectif qu'on a, en sachant qu'on n'avait qu'un match par semaine, que nos concurrents, eux, bah, euh, ils avaient euh, ou ont encore des compétitions européennes et des effectifs pas forcément largement supérieurs, voire certains inférieurs à nous, comment est-ce qu'on peut se permettre de douter. On sera en Champions League à la 31e journée ce soir. Comment? Mmh. Je, je ne sais pas et pourtant c'est une vraie ça, réalité. Tout ça c'est des arguments un peu papier et malheureusement une fois qu'on les confronte à la réalité euh, on voit bien que malgré comme tu dis le, le, le un match par semaine, euh, auquel on, on, on se doutait tous qu'il qu y avait beaucoup de choses à, à espérer euh, euh, de ça, L'OL cal et, et n'en profite pas du tout. La fois, les fois où, les, où ses adversaires pour le top, euh, top 4 avaient des matchs européens, l'OL était pas forcément euh, en train de faire de bonnes opérations ces soirs-là. Enfin, C'est très, euh, très compliqué au final. Pour rebondir rapidement sur la, la notion un peu d'apathie qui a été discutée euh, plus en amont, on voit à un moment dans le match, il y a Guimaraes qui fait une passe un peu aveugle en se disant, ouais, euh, Cornet sera sans doute là. Au final, Cornet était... 15 mètres en arrière, le ballon sort en, en touche, Guimarèche a, a envie de se, se suicider sur l'instant. Il va uh, se flammer. Il un, un, un gros plan sur lui. Et puis plus en amont encore, la notion d'équipe euh, dont tu parlais, euh, Ferrandino. Il y a quelque chose qui me vient en tête à ce moment-là, c'est le but lançois. Si, si tout le monde s'en rappelle, c'est Calcutta qui lance. Euh, du coup, le, le buteur lançois, c'est... Euh, vous avez son nom, j'espère Je m'en rappelle plus. Euh, Calcutta Non, c'est pas Calcutta. C'est Kakuta qui un, fait un... Une, euh, une passe en profondeur pour et j'ai plus son nom. Je crois que c'est Sotoka, non Sotoka, c'est celui plus. qui le défie, qui le dévie de, qui le dévie oh, de il la main. me marque. semble que c'est Sotoka. Bon, peu, peu importe l'identité du Jupiter, mais c'est Klaus, c'est Klaus, c'est Klaus. Sotoka n'a voilà. oh. pas marqué. Je l'aurais remarqué. C'est un ancien Grenoblois et, <laughs> et ça s'oublie pas. Voilà, Kakuta lance. Du coup, Klaus entre les deux défenseurs centraux lyonnais, donc Marcelo et Denayer, qui sont vraiment très très espacés pour le coup. Alors qu'à l'inverse, sur le but de l'OL. Le but du coup de Paqueta qui est un peu contré, ça vient d'une frappe de Cherki qui est contrée justement par la multitude de joueurs l'ensois dans la surface. Donc on, on sent une différence de densité entre les deux équipes qui est vraiment flagrante au final. L'OL se fait euh, transpercer par une seule passe en profondeur de Kakuta et qu'elle passe, alors que le bloc l'ensois a complètement empêché l'OL d'avoir des tirs euh, très dangereux, à part justement euh, pour l'égalisation, cette frappe de Paqueta qui est contrée un peu bizarrement euh, par, euh, par Gradit pour. Euh, Finalement, entre, au fond, c'était un peu les, 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 mmh. les antithèses ce soir. Il mmh. y a, y a une, une grosse différence entre les. Dans le chat, euh, je t'en prie. Sur euh, prie. Sur, euh, sur, euh, sur les les tactiques un petit peu de nos de nos rivaux. Donc, euh, je pense à Monaco, je pense à Lille, je pense au PSG. Et effectivement, Lille et Monaco, c'est plus solide, tout simplement. Il faut juste aussi mmh, euh, se rendre compte de l'évidence. Moi, j'ai regardé un petit peu euh, les, les matchs euh, ce week-end de nos de nos concurrents directs. Et bah, l'île, ce qu'ils ont fait, bah, c'est peut-être pas le truc le plus beau, c'est peut-être pas le truc le, le plus sexy, mais c'est solide. Les joueurs ont une ligne directrice, ils s'y tiennent et ils vont chercher un résultat. Monaco, c'est pareil depuis des semaines. Kovacs qui fait un travail énormissime. On mmh. l'a vu contre Paris dans un style très défensif, mais sur les autres matchs, c'est pas le même style de jeu. Et il y a un style d'adaptation aussi, et nous, on sait pas le faire. On n'a aucune adaptation, c'est-à-dire que. Ça fait depuis 4 mois qu'on fait la même chose, que ça ne marche plus, et qu'on continue. Et les autres, eux aussi, ont su se renouveler et s'adapter aux meilleurs adversaires. Et monsieur Ne sait pas qui euh, se réabonne une nouvelle fois. Merci énormément à toi. Merci. Sais, merci sais, à toi. Je sais pas combien de fois c'est. Euh... Du VG, du VG. D'affilée, ça doit être deux, deux ou trois. Merci énormément en tout cas pour ton soutien. Merci à, à tous les nouveaux. Je vois plein de, de nouveaux pseudos dans le chat. Je vois euh, Jean-Chave Jean qui vit. Ça fait mon euh, qui, je viens de découvrir vos lives, du coup je ne colle pas hein, les voix avec les, les hashtags, mais fait en je kiffe tes analyses. Et oui, normalement... merci Tu me fais penser d'ailleurs, Jean-Chave. Normalement, on a un truc qui nous permet d'avoir les... Euh, de distinguer les voix un ouais peu. de distinguer les voix mais c'est juste qu'on n'est pas sur le, le bon channel il euh, ah. faut juste qu'on switch dans audio débrief normalement là c'est bon j'ai un doute euh, là, parce que si on nous entend plus ça serait oui, non, compliqué si si on, on nous entend, on, on vous entend toujours bah écoute allez, attends. Je, vais, je vais essayer de, de résoudre ce problème je vais vous laisser un, euh, parler un petit peu euh, est-ce qu'il y a un joueur, même si, euh, comme, comme tu l'as dit, euh, quand on était en, encore en off, euh, Ferrandino, la débâcle lyonnaise, malgré cette débâcle, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a plus euh, fait, euh, aimé ce que t'as vu Ou euh, si c'était vraiment euh, le groupe-équipe qui, euh, qui n'allait pas individualité de, comprise De, de Nayer Denayer et Marcelo, encore une fois, très complémentaires. Et, euh, et le fait qu'on qu soit en, en marge de, de prolonger, euh, de prolonger euh, Denayer, après avoir prolongé Marcelo, c'est une très très bonne idée. Une nécessité, bien sûr. Alors oui, euh, Guimarèche, oui, a, a, été, a été pas mal aussi. Euh, il sort à la 58 ème Alors je suis un petit peu partagé sur sa sortie, parce que euh, oui, il faut sur ce qu'il propose, il faut clairement pas qu'il sorte mais en même temps, il a déjà un carton donc euh, aussi on se pose un petit peu la question enfin disons il y a beaucoup d'autres choses bien plus claires sur lesquelles on peut tomber sur Rudy que sur ce changement-là, quoi. <laughs> Donc, euh... ouais, Donc voilà. Non, mais, on a Toko et Tino encore ce soir. On a Toko encore ce soir qui joue. Les deux sont cramés depuis 4 mois. Ils mettent plus un pied devant. Et là, ils se retrouvent en face à face les deux une, deux, trois fois contre contre Leca. Leca, c'est pas euh, c'est pas Neuer, hein. c'est Jean-Louis Leca, quoi. C est, c est, on n'est pas en face euh, d'un gardien euh, Team of the Year ou je ne sais quoi là. C est, c est, et, et on n'arrive pas à planter un but. On est en face à face, trois quatre fois contre lui, et on n'arrive pas à planter un but. C'est pas possible. Mais surtout que les joueurs étaient limite en train de. de alors, pas, pas de s'insulter non plus, mais on voyait quand euh, Kadewere tente sa frappe après la, la réception du, du centre de Toko -e Kambi. Il tente une frappe enroulée pour la mettre dans le petit filet gauche de, de Lucas. Ah ça ouais. passe à, à 20 cm du poteau, donc c'est vraiment dommage. Mmh, pour le coup, je la voyais au Il <laughs> y, y a Slimani qui s'arrête et qui commence à se, à se prendre le peu de cheveux qu'il a dans les mains. Et et ça euh, fait trois tu, énormes ratés de KDEV. Hum. Les, les joueurs que, commençaient tous à être à cran. À, à, à la Hore, on, a, on a loupé beaucoup. Et pendant un. Genre, juste avant qu'il sorte, il en a loupé deux ou trois limites d'affilée, tu vois. Où il, y avait, oui, il manquait oui. pas grand chose. Et cet effet de C'est ah ouais, très très frustrant en tout cas. Un, un autre euh... joueur aussi qui, euh, qui s'est plutôt bien bien démarqué on va dire des autres, c'est Paqueta. Je trouve non pas que, que le, le, sa performance avant son but était forcément euh, mm. forcément euh, euh, éblouissante, mais on va dire que c'est un des rares qui n'était pas forcément apathique tout au long du match. Et on le voit sur l'action qui mène à son but. C'est lui qui est au commencement de l'action, justement, en, en, en initiant un peu le, le jeu vers l'avant. Au final, ça lui, ça lui rend service parce qu'il fait sa passe, il lâche son ballon, Donc, du coup, pour Sherky, pour qui ensuite Sherky frappe. Le ballon est contré, Paquetal le reprend et re réussit à, à tirer derrière pour le, le, le but. Je pense que ça illustre bien aussi sa ça, ça débauche d'énergie et surtout son abnégation sur le match parce que c'est un de ceux qui n'auront pas renoncé. Euh, euh, ce soir-là parce qu'on voit qu'il y a des par exemple qui, qui, qui mentalement il, il était en train à chaque fois de, de rigoler limite après avoir raté ces ces occasions où on sentait qu'il était plus forcément dedans mmh. Paqueta lui a eu un peu le, le mérite comme ça de rester vraiment concerné jusqu'au bout le but est un peu une, une digne récompense euh, sur, sur ce point-là même si effectivement avant ça notamment sur la première mi-temps bon il y a eu pas mal de déchets et pas forcément de... De choses très positives, mais on va dire qu'à défaut d'avoir un, un jeu vraiment flamboyant, il y a eu des joueurs comme ça qui, qui sont restés concernés au moins. Donc c'est bon. On en est à se réjouir du moindre mal, mais. Euh, hmm. C'est à noter par rapport aux autres. Bien sûr. Si on dézoome un petit peu le, le, la, la, la fenêtre, on se rend compte quand même que là, ce soir contre Lens, on mérite rien. La semaine d'avant, contre le PSG, on mérite rien. Hmm. La semaine encore d'avant contre Reims, on mérite le match match, rien. Lens hein. et Reims, c'est ce soir, c'est je trouve le même match. Hein. On se prend un but un peu plus tôt, ensuite on en remet un un peu à force de pousser sans forcément non plus être être euh, éblouissant et, et ça finit sur un 1-1 qui, qui n'arrange absolument personne au final et, et qui est très décevant. Et là-dessus, on ne peut pas se réfugier derrière le fait que l'équipe en face jouait en, en bloc bas. Lens a vraiment joué euh, en bloc bas. Médian, ils savent très très bien jouer, les contres étaient très, très propres. Euh, Sotoka et Calcutta vraiment euh, ont très bien joué euh, contre la défense lyonnaise, en contre, magnifique. Fofana aussi. Fofana, ouais. il en a 3-4, euh... c'est très très bon. Et enfin, l'histoire de, 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 de Lens et de tout l'effectif, enfin, ouais, enfin, c'est des petites histoires de, 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 de joueurs qui ont eu des carrières pas forcément en ligne droite. Euh, je pense à un, un Sotoka qui... Enfin euh, moi je les suis beaucoup à Grenoble, mais euh, il a été à euh, montpellier puis il a été recruté à Grenoble quand ils étaient en national. Il avec Grenoble il montait de, nation, de, non, de national 2 à national, puis de national à Ligue, à Ligue 2. Et euh, ensuite il se fait recruter par Lens Mais il y a trois ans du coup, Sotoca qui maintenant rivalisent avec, euh, enfin contre Lyon, jouer en national. Et c'est le cas de plein de joueurs de, de l'équipe de Lens. Donc pour ça, je, un grand bravo à, à, à Lens, à tout le staff euh, qui a permis de créer vraiment une équipe euh, soudée, ce qu'on n'a <coughs> pas le, actuellement euh, du tout à l'Olympique de ce qui nous fait défaut. Et enfin, euh, l'histoire derrière... D'ailleurs, De Maillard l'a très terme. bien dit, hein. De l'a très bien dit à la fin du match. Hein. Qu'est-ce qu'il dit sûr. De Nayir De Nayer il dit qu'il faut retrouver une équipe. En gros, hein, en substance, c'est exactement ce qu'il a dit. Hein. Mmh. C'est quand Alors même qu ils, grave. Ils ont eu deux semaines comme... d'entraînement avec euh, quasiment tout le monde. Mais ça encore, c'est même pas le sujet. Moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est que ils ont le bon bilan. Ils ont la bonne, euh, la, la, la bonne, la bonne appréciation de ce qui se passe. À la fin du match, le gars te dit, en gros, on n'est pas une équipe. En face, ça a joué comme une équipe et pas nous. Mais si t'as le bon bilan, mais essayez de faire des choses pour que ça change. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait trois mois que c'est comme ça. Ça fait ah non, trois ça, mois. Ça c'est les interviews à la Bertrand Traoré. C'est, on sait qu'il y a des erreurs. On va continuer à travailler sauf qu'au final. Alors, Super, merci d'être venu, mais... Euh, le, je ne suis pas, en fait, je suis pas, pas forcément up. sûr de ça. J'ai l'impression que ce discours, et puis c'est aussi ce qu'on voit sur le terrain avec euh, Depay qui était vraiment... Enfin, euh, à chaque fois que tu avais un, un raté lyonnais, il, il soupirait, il était euh, exacerbé. J'ai l'impression, en fait, ils n'arrivent ils pas à trouver la solution. Et, et ce n'est pas le fait de ne pas chercher ou de ne pas travailler, parce que je pense, pendant, pendant cette rêve, euh, en tout cas ceux qui sont restés... Euh, ou qu'en entraînement ont eu le temps de, de travailler, mais je pense ils n'arrivent ils pas à trouver euh, le moyen de résoudre ce problème. Bah en fait, ceux qui, sans, dis, accu analyse, sans accuser quelqu'un, sans accuser quelqu'un. Ceux qui ont la bonne analyse justement, c'est on a De on a Lopez, on a Memphis, par exemple. ceux qui dans l'attitude un peu se, ne veulent pas se, se résigner, comme par hasard, c'est ceux qui n'étaient pas là pendant la. C'est la, la très international, tu vois. C'est très. Et c'est ceux qui ont en fait. les deux euh, sont des membres importants de leur sélection. Voilà. Merci beaucoup, Serdanir, pour euh, pour ton follow. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Installe-toi bien confortablement. N'hésite pas à participer dans le chat non plus. Bienvenue. Et oui, bien sûr. putain. On est encore 23. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça et fait oui, très, oui. très très. Je crois que c'est le. En termes d'audience, ça doit être le meilleur live qu'on a réalisé depuis euh... depuis le début. Merci à tous et en pour... tout cas. Et pourtant, Merci on être pas là. sur le meilleur match. Hein. Pas sur le, le meilleur match. Loin hein. <laughs> de la semaine ouais, de Mais il y, y a beaucoup de gens qui avaient, qui avaient des choses à dire. Parce que là, Bien on sûr. est tous énervés parce que on voit et ça se répète que les mêmes choses semaine après semaine après semaine et rien ne change comme si on était buté dans une vision qui a marché fin 2020, mais qui ne marche plus depuis début janvier. Et on est buté, on se bute, on se bute. Et étonnamment, les seuls matchs aboutis en 2021, à part exception faite du derby, les seuls matchs aboutis en 2021, c'est les matchs où on a changé des choses, en Coupe de France, avec des autres joueurs sur le terrain. Avec une autre approche tactique en 4-2-3-1 ou où, euh, où on a où on a un Slimani où on a un Cherki qui viennent apporter. Voilà, c'est les deux seuls matchs où on a vu des choses. Et là en vrai, on ne demande pas tant que ça voir des choses. Voilà, c est, c est, le curseur est pas très très haut. Juste voir des choses. Et là, ça fait trois semaines qu'on ne voit rien du tout. Et au final, on prend que deux points sur ces trois derniers matchs, deux points sur neuf. 2 points sur 9 alors qu'il y a 3 matchs on lançait la fameuse 10 matchs 10 finales ça points sur 9. Fallu, il, il aurait mieux fallu ne rien dire pour ça au final parce que depuis que justement il y a l'opération commando des, <laughs> des 10 matchs 10 finales il n'y a, a plus du tout de victoire depuis ce, ce, mm -hmm. ce moment là et justement en parlant de, de changement un petit peu pour la compo de départ on aurait aimé sans doute tous je, je parle un peu en, en, en votre nom euh, mais vous serez sans doute d'accord avec moi voir euh, du coup Slimani et Cacré à minima parce que c'était les deux joueurs un peu, voilà, qui, qui avaient quelque chose de, de neuf, qui étaient un peu plus en forme que les autres. Mmh. Au final, euh, qui a été très très bon la... avec sa sélection d'ailleurs. En plus, il était bon même, de même avant de partir en sélection, du coup ça fait vraiment... Tous les arguments étaient sur la table pour justement lui donner de la continuité et lui permettre de démarrer, par exemple à la place d'un Wery qui n'a absolument rien montré, euh, que ce soit ce soir ou avant. Et au final, non, Rudy Garcia choisit de, de rester avec le, le même trio offensif. Sauf que le trio offensif, il est en, il est en panne hein, depuis quelques matchs. Il est en panne et ce serait justement bien d'avoir dès le début un Slimani qui pourrait apporter autre chose plutôt que de le faire rentrer tout le temps euh, quand il reste euh, un quart d'heure et que, il a beaucoup moins de temps pour. Euh, Mais pour, surtout, pour moi que... Même si pour le coup, les, les changements dans ce match-là ont été un peu plus ambitieux qu'à que l'accoutumée. On a vu Mendes qui est sorti enfin, j'ai envie de dire, parce que c'était un moment qui, qui continuait à jouer 90 minutes sans être forcément non plus. Euh, flamboyant. On a eu euh, simultanément sur le terrain, du coup on a eu Memphis, Cherki, Slimani, Toko euh, et même aussi Paqueta dans les joueurs on va dire un peu hybrides à la fois bon offensivement et défensivement. C'était pas mal mais c'est arrivé beaucoup trop tard encore une fois. Mais moi à ce prix là aussi, bon il s'est blessé donc ça ne sera, sera pas réalisable mais à ce prix là mais remettons Cornet euh, devant. Hein. Vraiment hein. <laughs> Pour avoir une idée. Non mais je suis très sérieux. Et bien sûr. Bah, quand il sur, a été Sur les devant, derniers matchs où il a joué lui devant, c'est des buts. À chaque fois, il a mis un but. En et en plus, penses, ouais. ça, ça. Et, 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 et en face de ça, on a euh, on a une équipe qui bah justement ne sait ne sait plus marquer. Mais je sais pas. Enfin, il faut. j'ai j'ai très peur d'arriver là dans trois jours, dans quatre jours parce qu'on rejoue euh, on rejoue jeudi. J'ai très peur d'arriver. Ah non, jeudi, c'est le match de C'est Red coupe. Star. Ok, bon, alors du coup, le match de Coupe, il y aura forcément des changements. Enfin, normalement. Mais j'ai très peur d'arriver au match de la semaine prochaine de Ligue 1, d'ouvrir Twitter, de voir la compo une heure avant, et de voir encore un copier-coller de ce soir. Et juste Parce pour que la. On, est... on sait que ça ne marchera pas. Pour la petite anecdote, euh, c'est Wizerim qui m'a dit d'aller voir le... le compte Twitter de, de Guimaraes. Guimaraes vient de il vient de RT. Une vidéo euh, de lui faisant une passe clé à Kalouére qui, euh, ah, qui ah, se loupe. Pépite. P pépite, <laughs> la, la, la passe était, la passe pas était combien, incroyable. Crois, ouais. Elle était divine. Mmh. Elle était divine. Très clairement. Bah, la passe, en plus, elle élimine, ouais, elle élimine de l'en soi. Euh, tout le monde. Euh, tout tout euh, le monde. Le monde. S'il si y a très un très bon bien. contrôle offensif, bah, c'est juste 1v1 contre le gardien. Alors, ça lui est arrivé qu'il y ait des vrais pendant ce match. Euh, sans c était, c était pouvoir quoi. De euh, ah, okay, peut-être. Oui, il me semble que c'est Okoye Kambi, celle-là. Ouais, avec euh, la queue. Je... Aucun effort, il, il pose juste son pied sur le ballon, ça part tout droit, sans forcément mm. euh, que la trajectoire soit un peu étudiée. Ça aussi, c'est très, très, très ah, dommage. Avec, euh, euh, comme Judy rim avec euh, deux smileys blasés. <laughs> en mode. <laughs> ah, Soupir. C'est mais... vrai que pour mais... le coup, le... en plus, il fait justement des bonnes choses comme ça, des. Des passes intéressantes et oh, il se fait sortir prématurément on voyait il était vraiment dépité au moment c'est très très dur lui je pense que c'est un des joueurs qui a les nerfs comme ça mis à rude épreuve surtout qu'il par est question, un... parfois un peu discutable de, de Garcia c'est un des premiers leviers euh, que Garcia fait sauter quand l'équipe tourne mal malgré ouais, alors que qu en, alors que général c'est pas lui c'est pas lui qui fait euh, qui fait de la merde c'est à dire que là on a quand même des joueurs qui euh, ont été soit inexistants soit mauvais et en général même si sur ce match c'est un petit peu moins vrai on va dire en général ces joueurs là ils restent tout le match et ils jouent les 90 minutes et mmh. tout va bien là ça a été un petit peu moins vrai ce soir parce que on a eu euh, comme, dis comme tu disais Tekken juste avant un petit peu plus de changements euh... bon ça arrive trop tard hein. ça arrive trop tard mais au moins ils arrivent on va essayer de se rassurer comme un peu et étonnamment bah, on marque dans la foulée on marque cinq minutes après, euh, après un double changement euh, et, euh, et c'est le seul moment où on a un petit peu joué, c'est les dix dernières minutes. Donc euh, on est quand même, je trouve, sur un modèle de gestion de groupe apocalyptique. <laughs> c'est que... en gros la, la seule chose qu'il a à faire hein, sur une saison où on joue pas l'Europe, c'est gérer son groupe. C'est le, le métier du coach maintenant. Euh, C'était euh, euh, Olivier de qui disait euh, dans un podcast que le, le travail du coach, c'est genre du 30% tactique et entraînement et 70% gestion du groupe, des, des joueurs, des, euh, du collectif. Et surtout dans les grosses équipes comme l'EL ou t'as besoin de joueurs qui s'entendent bien à l'extérieur du terrain, pour qu'ils s'entendent bien techniquement sur le terrain. Et, euh, et on va dire que sur le terrain, ce n'est absolument pas ça, pour rester euh, tout à fait poli. <laughs> Je suis même pas, pas forcément euh, sur ça, moi. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin qu'ils s'entendent particulièrement bien hors du terrain. Genre moi, euh, j'ai juste envie qu'il y ait des choses qui soient travaillées à l'entraînement, qu'il y ait des combinaisons, qu'il y ait des grands axes tactiques qu'il y ait une, une, une direction philosophique même de, de, de la manière de jouer. Parce que on peut, on peut aimer tel type de jeu, on peut moins aimer tel type de jeu. Alors, en ce moment, c'est euh, le gegenpressing euh, à la clope. Voilà, c'est est, est, est le truc qui est, qui est très à est la, la mode. mode bien sûr. Avant, on a eu le tiki-taka de, de Guardiola au Barça. Euh, en, dans les années 2000, on avait du catenaccio à l'italienne. Bon, on peut, on peut ne pas aimer le catenaccio à l'italienne, tu vois. J'entends tout à fait l'argument. Mais au moins, il y a un axe tactique. Là, nous, il n'y a rien du tout. Il <laughs> n'y a rien du tout. C'est le vide absolu. C'est bah, En fait, c'est un mélo de plusieurs idées. Tu as à la fois une envie de faire du pressing, sauf que tu vas le faire pendant 10 minutes, puis après plus rien. Puis ensuite, tu vas avoir envie de faire avec de la possession. Mais du coup, tu vas être sur un bloc haut tu vas essayer de centrer sauf que vu qu'on n'a pas suffisamment de qualité notamment en termes de, de, de latéraux et ben on a des centres qui, euh, qui soit soient finissent euh, en corner ou en 6 mètres soit finissent euh, dans les tribunes d'en face et après est on... On est, ouais. après les, le truc qui marchait bien euh, en début de saison et puis aussi les, les années précédentes c'était récupération basse et puis on se projette vers l'avant surtout en début de saison avec un cadre de et un Carl Toko et Gambi qui avaient cette faculté de projection vers l'avant qui l'ont qui nous ont qui ont tout à fait perdu euh, bah depuis, depuis janvier en fait depuis 2021 et euh, voilà on fait un milieu un, un globy bulga, pour ceux qui ont la qui ont la ref euh, de, de plein de types de tactiques d'essais mais euh, mais on n'arrive pas à Ça prouve bien être a efficace. Direction, hein. Bien sûr. Bien sûr. Et même si on ne pouvait pas apposer justement une, une, une marque tactique bien définie pour l'OL, au moins faire du Mourinho, c'est-à-dire s'adapter à ce que fait l'adversaire. Mais oui. C'est pas forcément révolutionnaire, mais au moins être justement pragmatique dans le sens ok, moi je, je renonce à avoir un dogme mais donc à avoir une façon de jouer que je souhaite imposer à mon adversaire, mais plutôt un système hybride où. Je prends ce que l'adversaire m'offre, et moi ensuite j'essaie de m'adapter me, de me, à ça pour justement le, le contrer. Ça aurait nécessité une chose déjà ce soir, c'est on voyait que Lance au niveau du pressing était pas, avait pas envie en termes de bloc de se mettre dans la moitié de terrain lyonnais et de les étouffer, d'étouffer les, les joueurs lyonnais à la relance. On voit, on voit que c'était beaucoup plus euh, du coup Sotoka et Kakuta, les deux, axio, euh, euh, les deux attaquants axio-lansois, euh, qui, se, qui campait un peu autour de Mendes, histoire de vraiment l'isoler des autres, pour que Marcelo et Denailleurs ne le trouvent pas et soient obligés de passer comme ça euh, sur les côtés pour faire le fameux jeu en U. Rien que ça, une fois que tu, tu sais ça, une fois que Garcia regarde ça, parce qu'il l'a sans doute vu comme, comme moi, comme vous, euh, c'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire. Tu peux t'adapter. Tu sais que Mendes, c'est un joueur qui redescend très peu chercher le ballon, qui préfère se, se camper un peu dans la zone du rond central afin d'être trouvé, on voit d'ailleurs que c'est souvent Aouar qui redescend un cran plus bas pour justement s'occuper de la relance, prendre la responsabilité, ce soir c'était hein. qui était un peu sur, le, sur le, le côté gauche du milieu de terrain, qui lui justement prenait sa responsabilité pour redescendre, pour orienter le jeu, Mendes lui ne le faisait pas. Sortir Mendes très tôt, par exemple à la mi-temps, pour justement replacer Guimaraes qui était en 8 en plus euh, à son corps défendant, le replacer en 6 ça permettait justement d'avoir un, un, un joueur en sentinelle un peu qui osait beaucoup plus redescendre entre les deux défenseurs centraux pour justement organiser la relance et ne pas être obligé de jouer sur les latéraux, qu'à chaque fois Dubois était complètement, euh, complètement hors solution <laughs> en fait. Parce qu'il aurait pu trouver justement les, les, les autres joueurs qui auraient eu à côté de lui. Je pense par exemple si on avait joué avec Paqueta d'un côté et Cacré de l'autre. On ah justement des, des liaisons regarde entre le, deux le chat. Qui hein. été plus ils ont parlé le on est tous dans un dans un, dans un rêve et c'est gravissime de dire que c'est qu'un rêve c'est juste les trois qu'il faut aligner parce que c'est les trois meilleurs depuis le début de depuis le début de 2021 en tout cas c'est ça et c'est pas sorcier en plus, on dans... nous on mais en parle ça. à notre humble niveau tu vois mais mais, mais c'est justement ce genre de situation là qui, 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 qui personnellement moi en, en général me fait douter de ce que tu appelles notre humble niveau. Parce que je me dis comment mmh. est-ce que le coach de mon équipe peut ne pas voir des choses que tout un chacun, tout supporter, et là c'est même pas euh, moi ou toi ou, euh, ou les gens dans le chat qui sont au dessus de, de des autres. Tout le monde dit la même chose. On, on tout le, dit le monde dit même la même chose sauf celui qui choisit. Ouais, C'est quand même grave. Enfin, de toute façon, on va, on va noter euh, les, voilà. les joueurs en seconde partie, vous inquiétez pas, ça, on va, on va revenir dessus, comme d'habitude. Euh, euh... J'avais une, une question, messieurs. C'est euh, ah. -ce que, plus une, un complément d'information que vraiment une question en mode analyse. Est-ce que euh, depuis que Guimareich est arrivé et a beaucoup joué... En mode numéro 6, relanceur entre les milieux offensifs et la défense. Est-ce que depuis que les matchs ont repris après le Covid, Guy a au moins une fois repris ce poste-là Où il a tout le temps été un petit peu plus. Je suis même pas sûr qu'il l'a joué cette saison, en fait, moi. Si, 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 euh, Peut-être que peut fois, matchs, mais. Il me parce que quand il, a, cool. quand il est arrivé, on, on est passé d'un Lucas Touzard à un Bruno Guimaraes au, à ce poste-là, en particulier. Et la différence était enfin, assommante. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a commencé à adorer Guimaraes parce qu'il était vraiment très très fort à ce poste-là. Et moi ce que je me dis c'est que et ça revient aussi à ce qu'on dise dans le chat et puis même même à l'oral je pense que en globalité dans l'équipe on a beaucoup de très bons joueurs dans l'effectif mais très peu qui jouent à leur meilleur poste et donc on se retrouve Alors... avec des bons joueurs qui ne jouent pas dans leur meilleure capacité mmh, mmh. et donc deviennent en fait des joueurs moyens en cumulé sur le terrain j'ai l'info déjà pour te répondre sur euh, le nombre de fois où Guimaréche cette saison a joué euh, à son poste de milieu défensif. Alors l'info, c'est 9 matchs en tout, mais un seul match en 2021. Voilà, c'est pour ça que moi, cette année, quand je disais cette année, c'était l'année calendaire, ouais. pas l'année, euh, pas l'année... Euh... Euh, septembre septembre hein, ouais. l'année à partir de janvier donc effectivement je, je, je disais pas j'étais pas dans le dans le n'importe quoi que un seul match à son poste de base et bah moi de toute façon bah euh, ta sour, je pense que tu sais déjà euh, mon point de vue sur ça hein. mm. on est sur un on est sur euh, un culte encore une fois de de, de la polyvalence à l'extrême sauf que le culte de la polyvalence à l'extrême ça a des grosses limites des très grosses limites qui fait que on peut passer euh, d'un joueur qui va apporter un plus à un collectif, à un joueur qui non seulement ne va pas apporter de plus à un collectif, mais qui en plus, dans les pires cas possibles, va apporter des désavantages et va apporter des, des défauts à un collectif. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Euh, et c'est un problème qu'on a aussi dans notre effectif, pas seulement à cause de Garcia, à cause de Garcia aussi pas mal, hein, je ne vais, vais pas dire le contraire, mais aussi parce que notre effectif il n'est pas équilibré. On n'a aucun ailier, on n'a aucun latéral décent. C'est uniquement de des ce joueurs axieux qui sont déportés sur les côtés. Exactement. Et ça, ça fait, ça fait depuis 6 ans qu'on n'a pas d'ailier à l'OL. Hein. Au, au moins, oui. Mm. Même euh... je, je me rappelle encore le... de, de Gaël Danik ou, ou Rachid Gheza pour vous dire. Le, le seul ailier qu'on peut avoir entre guillemets, ce serait Memphis, mais qu'on joue euh, axial. Enfin, qui joue Axial. Ah bah Memphis, dans notre équipe. Ouais, il a fait le sens inverse, Memphis. <laughs> C'est encore plus grave. C'est le, le seul vrai joueur euh, offensif, en tout cas, qui, euh, qui joue dans l'axe. Euh... Hein, je te dis, demain, moi, je te fais un 4-2-3-1, et Memphis, t'es es content, t'es pas content, tu joues à gauche, point, Sherky dans l'axe, Slimani, buteur. Et à droite, on met n'importe qui, je m'en fous, même Paqueta, tu vois. Paqueta à droite, mmh. euh, milieu droit. Comme ça, on met tous nos meilleurs joueurs sur le terrain. Quitte à, euh, quitte à essayer euh, quand même de, de gagner des matchs, autant avoir nos meilleurs joueurs sur le terrain. On met Paqueta à droite, et puis derrière, Guimarèche-Cacré. Et voilà, là, ça envoie du pâté, mmh. et on fait quelque chose ouais, je sais avec pas. un 4-4-2. Avec un 4-4-2, où on met euh, deux offensives qui jouent vraiment dans l'axe. Et puis des, des joueurs de, de côté liés. Euh, où on peut mettre un, un Usama qui a joué quelques fois, je crois, euh, en 4-4-2 vraiment sur le côté gauche. Et puis à droite, on peut mettre par exemple un, un, un Paqueta ou un, ou, ou, ou un autre. Mais euh, euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Toko et Kambi pourraient euh, être à droite. On... C'est un, un de ceux qui peuvent, faire, euh, qui peuvent faire un peu les deux. Mmh. Oui. Mais euh, pas un je... pied devant l'autre depuis trois mois. Moi, je plus envie de le voir sur un terrain. <laughs> Franchement, hein. je, je suis arrivé à un stade où j'ai n'ai plus envie d'être gentil ou quoi. Euh, Kadewere je, euh, vous savez en plus très bien à quel point j'adorais Kadewere en, en, en première partie de saison. C'était très, très, pas, très efficace. C'est pas quelque chose que j'ai oublié. Hein. Moi, le Kadewere de première partie de saison, je, je refine tout de suite. Mais là, on ne voit plus rien. J'ai été assez, assez longtemps indulgent avec ces deux-là pour dire ce soir, bah merde, on en a marre. Enfin, vous vous retrouvez en face à face avec un gardien qui n'est pas en plus euh, The Gardien, et puis on, on rate, on rate, on rate, et ça fait quatre mois que c'est comme ça et qu'ils ne mettent plus un pied devant l'autre, les deux. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte quand même de ce que tu vois, et puis analyser les choses et s'adapter en conséquence, parce que sinon, on ne peut pas continuer comme ça. Quoi. Ce qui est tragique, en plus, c'est que si les ailiers, justement, sont décevants en ce moment, on voit qu'au final, il y a peu d'héliés. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure dans la construction de l'effectif. Il y a peu d'héliés qui sont... Enfin, peu déliés tout court, ce qui limite totalement les, les, les possibilités. Et du coup, conforte un peu Garcia dans ses idées d'aligner toujours les mêmes, ce qui est un peu, un peu rageant à la longue. Je, je vais y arriver, Lucas. Il y a quelque chose euh, qui m'a... P... Je vais pas dire choqué, mais qui m'a assez bluffé. C'est à la fin de la première mi-temps, où, euh, sur, euh, sur le match, Canal a affiché les positions moyennes, la position moyenne des joueurs. Et offensivement, que ce soit euh, Memphis, Calibré ou côte et Cambi, ils étaient tous euh, quasi au même endroit, un peu déportés sur la droite. C'est limite une preuve en fait que l'organisation devant, c'est uniquement hein, essayer de faire les différences, débrouillez-vous. Si tu pas, si as tous les joueurs offensifs qui sont au même endroit, bah tu vas jamais av avoir d'espace en fait pour euh, et quand tu vas vouloir dribbler, bah tu vas te retrouver avec comme on peut observer hein, un pied qui dépasse, un, un, là un ensoi qui est là à l'interception et ensuite on, on se prend sur un contre forcément parce que on est tous au même endroit donc personne ne peut prendre la profondeur vu que bah, les lançois aussi, du coup ils se mettent tous au même endroit. Et ensuite, on s'embrouille, et euh, y a, vu que les Lensois ont la, ont la renommée d'être une équipe assez agressive, au bon sens du terme, hein, euh, sur le terrain, qui va, qui va au duel et qui va euh, bien mettre les pieds sur le ballon, d'ailleurs il y a eu pas mal de, de cartons jaunes hein, de mémoire dans ce match, et bien on se retrouve avec euh, un, beaucoup de déchets, et un jeu offensif très réduit, si ce n'est pas inexistant. En parlant des cartons justement, le rouge de Slimani, qu'est-ce que vous en avez pensé En enfin, soi, là, le geste, je pense est, enfin, est, débile. est complètement est idiot. En fait, C'est enfin, au mieux, il met la balle en touche. Euh, au pire, euh, il, se prend, il se prend, un rouge en fait. Sauf que t'as, enfin. Euh, il n'y avait aucun risque tu n'allais pas avoir un, le lensois qui allait faire un tir un tir direct ou la passe décisive pour marquer un but c'est juste bah excès d'engagement et là vraiment c'est vraiment d'engagement quoi et le, le but enfin ici on regarde les ralentis on voit très clairement que, que, que c'est au-dessus de la au de la cheville donc euh, le bas du mollet pour moi il y a carton rouge il y a même pas à discuter pour moi, il n'y a pas du tout carton rouge, mais il ne le touche pas tant que ça. Les deux pieds sont pas décollés. Le deuxième pied, il est de, carrément de l'autre côté, donc euh, il n'est il est même, euh, même pas engagé dans l'action. Euh, le pied du, du lançois n'est pas bloqué par terre, donc il euh, n'y a pas de risque genre, de lui briser la jambe euh, ou quoi. Donc il n'y a pas de mise en danger. Euh, par contre qu'est-ce qui lui est passé par la tête de faire ça, genre... C'était débile. Enfin, pour moi, ça, en, en l'état, l'action ne mérite pas carton rouge, mais on peut se dire que c'est tellement con que de toute façon, on pouvait s'attendre à ce, ce qu'il y ait carton rouge, étant donné ce qu'il ce qui, ce qu est passé dans sa tête. Donc, factuellement, pour moi, c'est plutôt carton jaune, mais... Étant donné ce que ça aurait pu donner si on change juste un, un élément euh, de, des éléments que j'ai donné juste avant, par exemple le pied, le pied du lençois qui était collé au sol au moment où le tacle est fait, là effectivement, ça aurait pu complètement changer la gravité de, de cette situation. Mais euh, voilà, donc euh, on a vu plus scandaleux cette année. Pour moi, c'était quand même pas rouge. Euh, mais euh, on, on a vu largement plus. Euh, on a vu largement pire. Hein. C'est le, le genre de rouge, en fait. Enfin, la VAR est, en, est censée voir s'il y, euh, y a erreur manifeste d'arbitrage. Sauf que là, c'est une décision de l'arbitre pur et dur. Tu peux mettre le rouge ou non. C'est l'arbitre qui, qui décide de, de, du seuil, en fait. Pour et moi, ça fait, le... ça fait complètement partie des cas où il faut aller voir la VAR, point. Parce qu'on euh, ne sait pas ce qu'il a vu l'arbitre. Si ça se trouve, lui, il a vu euh, avec le lance euh, euh, il n'a pas vu que le pied du lance n'était pas posé, il n'a pas vu qu'il n'y avait pas un si gros contact que ça. Je, tu vois, genre, on ne on, on sait pas. Donc pour moi, sur ce genre de situation, franchement, ça ne coûte rien d'aller voir l'avare comme ça. On ouais, est ça, sûr. Ça coûte et en plus, ça rassure les joueurs, tu vois. T'acceptes mieux, je pense, quand, ouais. quand, quand tu sais que l'arbitre est allé voir et t, tu te dis, bon... Il est allé voir. C'est son jugement. C'est comme ça. Je peux trouver ça sévère. Je peux trouver ça indulgent. Mais au moins, c'est son jugement et il est sûr de son jugement. Voilà. Lavar lui a confirmé hein, apparemment. Non, non, mais allez voir Lavar. Moi, moi que, moi en, que Lavar lui en... confirme avec le textier dans le camion. VAR, je m'en fous. <rire> je <rire> suis le déficit de confiance est réel, Parce que justement, ah, Slimani est resté sur le terrain vraiment très longtemps après le, le, le carton rouge pour justement convaincre l'arbitre un peu de de revenir ah, sur sa décision d'aller regarder etc de, de réfléchir un petit peu au final l'arbitre a mis la main à l'oreillette quelques secondes histoire que ses assistants lui parlent et il a, il a confirmé à dit non non c'est rouge allez hop euh, sortez ouais, du mais terrain typiquement c'est c'est dogmatique comme, comme raisonnement un, un des trucs sur lesquels il, et la l'avare il, il faut revoir le fonctionnement parce que tu le disais ta source c'est mmh. même pour la situation de carton rouge il me semble que c'est en cas d'erreur manifeste Oh. Là, en mmh. effet, je suis d'accord, il n'y a pas d'erreur manifeste. Mais du coup, à partir du moment où il n'y a pas d'erreur manifeste, je ne veux voir aucune communication avec l'AVAR. En, en fait, l'idée derrière, c'est avoir le bon ratio entre perte de temps parce que tu vas aller voir l'arbitre la, enfin, va aller voir la vidéo, va prendre le temps d'analyser, et euh, enfin, décision véridique. Et en fait, le, le juste milieu qui a pour l'instant été décidé dans l'utilisation de la barre, c'est si il a si l'arbitre met rouge, mais qu'en fait euh, la, le, les gars dans le dans lesquels on VAR voient qu'en fait il y a dans 4, 90% euh, pas, euh, pas rouge, là l'arbitre var va dire bah, soit enlève le rouge, soit va voir. Pour encore une fois limiter, à, limiter à la perte de temps. moi, il, il, a, il, a, il a aucun moment à dire enlève le rouge. Pour moi, il a juste à dire écoute, on a un doute, va voir la vidéo. Mmh. C'est, pour moi. pour moi, sur ce genre de cas, il faut absolument qu'il aille voir la vidéo parce que c'est une décision qui a des conséquences. Alors, pas exactement sur ce match. Parce qu'en effet, on jouait la 89e minute, il me semble, ou 90e, quelque chose comme ça. Donc, sur le match, bon. Ça a assez peu de conséquences au final. Mais ça va être un Slimani qui va être suspendu. Alors que euh, on, a soulevé, euh, pendant, on, on a soulevé pendant ces 45 premières minutes de live à quel point il fallait changer des choses. À mm -hmm. quel point euh, Tino et Toko ça ne marchait plus. Donc à quel point un apport d'un nouveau titulaire comme Slimani, par exemple, aurait pu être important pour nous. Donc moi je pense que sur ce genre de situation, la décision elle doit être que celle de l'arbitre central et qu'il doit être sûr de sa décision ça coûte rien d'aller voir pour, 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 la, pour mettre un carton rouge à ce niveau là, pour moi ça coûte, ça coûte absolument rien à partir du moment où on respecte les règles du temps additionnel et qu'on décompte le temps donc moi je, je fais partie des gens qui, euh, qui, qui disent que à ce moment là il doit aller voir l'avare qui disent rouge ou qui disent jaune derrière je, je m'en fiche mais au moins il est certain de sa décision il est certain de ce qu'il a vu c'est comme ça. Voilà. En, en, en vrai, ce que je me disais, mais c'est juste euh, d'un point de vue technique, est-ce que ce serait pas utile en fait que l'arbitre ait une tablette, genre, une, genre euh, une, une tablette sur lui où il peut voir directement le replay sans avoir besoin de se déplacer euh, vers l'écran vers le le pour voir petit, non Bah non, ici si, regarde, tu, quand tu regardes sur un... enfin, euh, sur, sur ton téléphone, tu vois quand même... Euh, tu, tu vas quand même l'image et puis si peut zoomer genre sur euh, sur la vidéo, ce serait ouais, possible. Pourquoi pas Bah d'un point de vue technique, ce serait une solution à cette perte de temps en fait, de euh, Ou faire alors, le, euh, le, on le déplacement. Un, un, des grands écrans euh, euh, au-dessus des buts, en plus ils y sont ces grands écrans déjà parce que pour célébrer les buts. Il y a des espèces de grands écrans comme ça dans les stades où il y a le nom du buteur, les compositions qui s'affichent et tout ça. Enfin, mm. On met directement à ce moment-là euh, la situation chaude et on autorise l'arbitre à la regarder. Parce que en soi, en plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça fait un peu longtemps, comme tout le monde, que je suis pas allé dans un stade, mais quand même, j'espère avoir euh, <laughs> un minimum de souvenirs. Il me semble que les ralentis sont aussi diffusés dans ces grands Alors, écrans de toute façon. Je, je me. Euh... Je suis je crois, je crois, y a une, enfin, quand il y a des des fautes, ou je sais plus, je sais plus la différence, mais soit soit les fautes, soit les buts, euh, s'il y a une contestation, c'est l'arbitre qui a en primeur le replay. Je crois, c'est, je crois, c'est pour les cartes, les les cartons rouges. C'est l'arbitre qui a en primeur mais voilà, mais voilà, le on, replay pour pas dire, que oui. le stade soit en mode, enfin, euh, on voit oui, très bien, bien qu'il y a pas de faute. Ouais, c'est ça. Pour influencer Mais de exactement. toute façon, le stade, il va influencer un stade quand il y a un, une micro faute, ça hurle. Donc, euh... c'est, <laughs> c'est, Donc, moi, je pense que ça pourrait être une, une, une solution. Et puis comme ça, hop, il lève la tête, il regarde mm. la situation vite fait. Et puis, hop, c'est comme ça. Et, et d'ailleurs, en NBA, ça marche comme ça. Hein. En NBA, ouais. quand as des situations comme ça, t'as tous les joueurs qui lèvent la tête en haut parce qu'ils regardent l'espèce de l'espèce ouais, d'écran le... euh... central là. Ouais, après la distance à l'écran est aussi, euh, aussi différente. Mais, mais je pense ah il ouais, a... euh... je pense pendant pendant cette, le prochain euh, la prochaine intersaison, il y a vraiment moyen d'améliorer cette barre, que ce soit aussi dans les règles, dans son mm -hmm. utilisation, mais surtout du point de vue technologique. Vidéo, oui, il y a, y a un moment qu'on fera une vidéo. Oui mais il y a un moment quand on te dit que on peut utiliser, enfin on peut créer une var maintenant dans le foot, parce que il y a la technologie, et qu'en fait, en fait c'est juste les, les images de la télé qui sont transmises sur un écran en bord de pelouse. Enfin, ça me fait doucement rigoler, quoi. T'as mille façons, mille moyens d'innover, et surtout, je pense, il y a, plein, y a plein de startups en France ou même à, à l'étranger qui, qui soit bossent là-dessus, soit euh, seraient heureux. De, de participer à ce genre de, de projet de recherche. Puis après pour il court que là, pour aller non. voir son petit machin. C'est <laughs> n'importe quoi. Ce ça fait vraiment pitié. Ça. Je pense Dans... qu'il y, qu y a autant de temps perdu à la visi... au, au visionnage mmh. de la ah, de la séquence que euh, à l'arbitre qui fait sa petite course là pour aller mmh. pour mmh. aller voir son écran et ensuite la course retour pour revenir sur le terrain. C'est. Je pense c'est limite voilà. les deux, deux tiers du temps perdu pendant l'utilisation de la barre, quand l'arbitre voilà, va voir ouais. la, la vidéo, c'est dû au déplacement de l'arbitre. Surtout Je si tu si mets une espèce de grosse Apple Watch. Mais Oui, mais, mais, mais c'est ça. C'était pour ça, ça l'idée de, de la tablette, en fait. Genre, il a juste à, à sortir la tablette qui est sur lui. En plus, avec la 5G qui arrive dans les stades, bah, si tu n'as aucun problème de débit d'image, et puis tu peux faire tout ce que tu peux, tu peux zoomer sur l'action et voir directement, en, temps en limite en temps réel, ce qui s'est vraiment passé. Et là, on, peut dire, on pourra dire que peu importe l'action, euh, mais peu importe l'action euh, si, où il y a un appel à la var, l'arbitre peut, s'il a envie, encore une fois, parce que c'est une décision de l'arbitre, regarder la, vid la, la vidéo et ça lui fera perdre quasi, 5-10 secondes maximum, ce qui est complètement négligeable. Ou Sinon, on stoppe le chrono quand l'arbitre va voir la VAR aussi. Ah, oui, mais aussi, a, non, mais bien sûr, c'est encore un autre sujet. Ça, mm. pour je, pour mais pour en, je... encore mais je propose, propose, je propose, je propose qu'on qu qu laisse un petit peu euh, <laughs> ce sujet de côté pour se recentrer sur le match. Je, parce que je pense que bien je pense très honnêtement que, en tout cas, moi, c'est une volonté. Je, je vous en ai peut-être pas encore parlé, les gars, mais moi, je veux qu'on fasse une vidéo sur ce sujet là. Ouais, c'est euh... <laughs> vrai que. Euh... Euh... Donc voilà, et, euh, ouais. et, euh, et à ce niveau-là, je pense qu'on qu aura plus vocation à, à s'exprimer et à mieux développer nos idées dans ce, dans, dans ce type de format-là, et que ce soir, on, on repasse peut-être avec les... Avec, euh, avec quoi, là On a fait les expected goals, ou euh, pas on, on, les, on, les a, on les a juste les vu vu on en a je pas, ai pas parlé. Les, je, les ai je les ai préparés, en plus, les gens ont pu voir que, que je galérais un peu à afficher la, la fenêtre, <laughs> mais... Parce euh, qu'au mais... final, j'y pense, là, comme ça, on en a même pas parlé, mais le rouge de Slimani va l'empêcher de jouer du coup contre le Red Star qui est le match suivant, vu qu'il s'est pris un rouge direct. Il oui, c'est en, est et en et coupe de fond. Il un match au-dessus du Red Star et peut-être même deux, voire trois, euh, qui sait. Donc du coup, je crois que le match après, c'est contre. Oh non, mais Franger. si on lui met plus de matchs de suspension euh, à cause de la commission de Slimani, il y a le pas rouge. Non, ouais. euh... Je pense qu'il va rater de Star euh, le temps que, que la commission ouais. rediscute et tout, mais admettons qu'il raterait de Star, par exemple et Angers, ça complique grandement la, la donne pour, euh, pour l'OL, puisque final on a quoi On a Kadewere et Kistoko et Kambi qui sont un peu tous euh, bah un peu on... fatigués, un peu en méforme, donc ça à, pas vraiment. Après, ça peut aussi. Te... Ça donnera forcément à 100% du temps de jeu pour, euh, pour Sharky, et on pourrait voir non. aussi un, un sous-marin euh, faire euh, avoir une, de, une titularisation, au moins euh, pas mal de temps de jeu. Non. O quoi, au, moins, au, moins, au moins une mi-temps. Au moins une mi-temps. Non, non. Si, si elle est lui en euh, avance. Ouais. Ouais, non, mais euh... Je ne suis, suis pas spécialement optimiste pour, pour, pour son temps de jeu. Je n'ai je, je, pas du tout l'impression qu'il va jouer. Non, mais. Il... C'est enfin, un plus... qui est beaucoup plus établi dans le groupe et qui est là depuis <laughs> est... au moins deux ans. Enfin, euh, Garcia se, ouais. se souvient à peine de son prénom. Oui, non, mais. En vrai, j'étais dans l'idée de faire souffler les gens, mais en fait. Mais en fait, il y en a très peu qui ont, qui ont joué pendant les 15 derniers jours. Donc, euh, mon idée était complètement inutile. Oh. Et oui, donc, les expected goals oh. avec Lance qui a 0,67 et qui marque, qui marque son but et qui en a eu un autre fusée avec pas mal de, de petites occasions, par-ci par-là, avec des tirs de loin notamment. Et puis Lyon qui a 2,11 d'exos. Alors, on regardera dans quelques zones de la timing chart. Mais ça reste quand même, euh, encore une fois. Euh, Lyon est une équipe qui marque très peu par rapport aux occasions, enfin à la qualité d'occasion qu'elle pro, qu produit et donc à la probabilité d'elle de marquer. Donc la timing chart, on voit qu'on n'a pas joué en fait en première mi-temps. Très clairement. On a oh, joué bah, il uniquement, rien en... Passer, hein. uniquement en seconde C'était que... très mou. Hein. C'est très mou. et on a, fait zéro... non, a rien fait en première mi-temps. On, a... on a fait 013 expected oui. goals hein, en première mi-temps. C'est vraiment, vraiment très peu. Ça doit être une de nos pires, euh, en termes d'exilos, hein, je parle, pire première mi-temps hein, de, de la saison. Et tout s'est débloqué en, en seconde mi-temps avec, euh, avec plus d'espace et Mais très peu de précision, malheureusement pour, pour le L. Regardez-moi, euh... là, il y a, y a un expected goal, c'est presque 0,8 au début de la seconde mi-temps. Hein, c'est 0,8. C'est bah, le. C'est presque plus qu'un penalty, on marque pas C'est plus qu'un penalty. Il y, 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 y a 3-4 trois quatre grosses marches, il y a trois quatre grosses marches et on et, on, et on marque aucun but fin... ça montre tu ça te de cette occasion étonnant, Ils ont, ont, ont C'était à quelle vrai, minute là euh, à la 45e ou 46e. Ou vraiment Parce au à tout, la tout la 45e, début hein. il y a justement le, la passe de, de Guimarèche qui, qui amène justement ah, à, bah... au télescopage entre Leca oui, et -là. et même bah... Genre Memphis touche le ballon ah, juste oui. avant, et oui, ça c'est une, une occasion assez, euh, assez nette. ah, euh... ah bah, Je suis mm. pas sûr que ça vaille euh, tout ça, euh, le truc de Memphis. Mm. Parce qu'il la touche presque pas, donc... Euh... Ah, attends, c'est en première mi-temps Je vois dans le, le, le chat quelqu'un. Ah, il y a... ouais, c'est possible. première mi-temps, c'est le, le c cafouillage, possible, justement, non. où Memphis fait un peu un festival. Ouais, c'est en première mi-temps. Ouais. Toute, toute du coup, en fait, il y un, un C'est en première ce mi-temps, c'est la frappe de Memphis. Et en soi, on peut même regarder... Regardez dans les x de, de Lyon, ouais, même fils de Pike, qui a 0,98 de, de X-Golds, donc c'est forcément lui, vu que la frappe est à, à 0,8. Donc ouais, oui, bah, c'est l'occasion ce de faire Juste après le, le retour de la pause, il y a eu justement le moment où il mmh. se télescope avec, euh, avec les cas, il touche le ballon juste avant, du coup, ça compte effectivement comme un, comme un tir. Et, et, bah, et quand, quand même, donc, Lucas a d'ailleurs, les cas. Mmh. Oui. Euh, oui, bien sûr. Ouais, le Paqueta qui Paqueta qui marque avec euh, ses 0-17 de x évidemment. Ben, je euh... sais même pas d'ailleurs <laughs> si le tir était cadré à, à Paqueta, parce que Gradit la remet en jeu avec son bras justement et ça finit au, au fond du but mais je sais pas si l'angle initial était vraiment partait vraiment vers le. Je n'ai aucune idée. J'avais jamais, pas remarqué en fait qu'il y avait eu un, un bras de toucher. Parce que Paqueta la reprend mais euh, moi j'aurais dit comme ça à première vue que ça allait faire poteau ou que ça sortait. Au final, heureusement, euh, la, la remise en jeu de Gradit permet le but, mais l'occasion ouais. n'était pas non plus euh, forcément hyper bien placée à l'origine. Ouais. Mais bon, tant, tant mieux pour l'OL. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je regarde un, un petit peu les stats, et ouais, en termes de, de tir, euh... <laughs> j'aime bien le ratio pourcentage et euh... et, euh, et tir. Comme quoi euh, la possession ne fait absolument rien dans ce genre de match. C'est juste bah, de si la regarde, position initiale. Si on regarde les stats euh, brutes, que ce soit stats de possession, de tirs, de tirs cadré, mmh. etc., sur toutes ces stats-là, on a l'OL qui est devant très nettement. Que ce soit en termes de possession, 60-40, en termes de tirs au but, 10, euh, 15 contre 10, tirs cadré, 6 contre 4, etc. Les, les stats sont vraiment euh, euh, univoques pour l'OL, sauf qu'au final, qu'est-ce que l'OL a fait de justement cette, cette possession supplémentaire de ces tirs supplémentaires bon, au final pff, pas, pas grand chose vraiment pas grand chose de toute façon, a été... on n'en fait rien quand on a la possession c'est pas, ça pas, pas un secret plus, hein. le match contre Montpellier où l'OL avait terminé avec 24 tirs au moins 12 cadrés et un oh, seul non. petit but vraiment. et pour le coup je pense qu'on était tous en train de de, de s'acharner sur, sur Toko et Kambi à raison parce que je crois qu'il avait un truc du genre 5 tirs non cadrés donc à, à lui tout seul bon, vraiment Absolument lunaire mmh. Comme comme, euh, comme Disaster Class Mais bon On en a vu On en a vu d'autres malheureusement Très clairement Mais au final ouais Lance euh, 0.67 Pas beaucoup Vraiment pas beaucoup mmh. Lance euh, Lance Qui sont très, très Genre qui font une saison Enfin euh, J'ai impressionné quoi ouais, Qui vont se retrouver Européens euh, Sans vraiment euh, Sans difficulté Oui Parce que C'était absolument Absolument pas leur effectif après, il y a peut-être ouais, peut-être Marseille qui peut les leur passer devant peut-être, mais c'est vrai que Lance. il euh, bah, y, est... y a Marseille Lance euh, dans Valentin longtemps je crois non. Ah bah es esprit d'à propos. De, De tête peut-être que je me trompe totalement. Peut-être avancer vous. un petit peu en vrai euh, parce que là il est il est non. déjà tard je pense qu'on est assez en retard en vrai. Ouais, <laughs> non, parlé, oui euh... c'est vrai on a un peu parlé euh, Sur, avec, euh, 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 avec euh... tout le monde sur la, euh, la petite séquence pub euh, habituelle. Ah oui, oui, il y a la séquence pub. Qu'on je... qu aurait dû faire plus tôt honnêtement. Euh... <laughs> ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, même si, euh, même si on est encore... Euh... On est encore combien Que je regarde. On est encore 19 hein, en soi. Hein Merci énormément encore. Ah, J'ai que, euh, que 15. Ah, peut-être qu'on est 15. Ah, bah, c'est mon... mon EBS qui a un petit peu de, un petit peu de... de retard. Euh... Oui, alors. Bien sûr. Bien sûr, bien non, non, sûr. 19, euh... ouais, 19. Bah, incroyable. Incroyable. Alors, le petit moment pub, c'est le moment où on parle de football, non pas forcément le stream, mais de vraiment toutes nos activités, de tout ce qu'on fait. Et c'est l'occasion aussi de, tac, réafficher le, non pas le live, mais ce que vous avez juste en dessous du, du live, vous avez plein de choses euh, plein de de, de différents euh, euh, soit réseaux sociaux euh, comme, euh, comme notre youtube où il y a tous euh, les euh, bah à la fois les euh, ces lives là vous avez les replays d'absolument de, tout depuis le début de la saison depuis qu'on a commencé à faire des lives sur twitch donc ça commence à, à faire euh, quelques temps et puis donc ça on publie euh, dès le lendemain donc demain à midi vous serez tranquille euh, en, en week-end prolongé avec, euh, si vous le souhaitez, revisionner ou alors, euh, ou alors regarder les, les prises dans le live football. Euh, et puis le lendemain, donc euh, pour ce match-là, ce sera lundi. Euh, lundi vers euh, les 4-5 heures de l'après-midi, euh, on vous concocte un best-of de ce live. Donc c'est des vidéos qui durent euh, 10, 15, une quinzaine de minutes, on va dire. Euh, pour euh, vraiment condenser les meilleures informations, les meilleures analyses, les meilleures idées qu'on a pu avoir en live et donc euh, avoir une version un petit peu plus, euh, plus courte <laughs> qu'un qu live de deux heures, euh, bim, à regarder. Vous avez cette même idée de, euh, de rediff et puis de condenser sur euh, les podcasts football que vous retrouvez sur euh, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, sur Google Podcast, enfin un petit peu de partout, où euh, pareil, pour les mêmes horaires, vous avez le live euh, qui dure. Euh, de, à peu près deux heures et puis le et puis le le best of du, du live euh, ça donc c'était sur euh, un petit Là peu l'aspect la, la, multimédia et attends que je regarde merci beaucoup Pascal OP officiel merci beaucoup pour euh, pour ton follow merci beaucoup merci et bienvenue, et bienvenue 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 <laughs> bienvenue n'hésite pas n'hésite pas à discuter dans le chat euh, Beaucoup de nouveaux aujourd'hui, ça fait super ouais, ça, ça fait éno... ça, ça motive de fou, c'est vraiment trop cool. Peut-être cool. qu'ils viennent à l'issue du du de la mini pub YouTube de, de Talk My Football, peut-être. Qui sait. Possible... Ouais, euh, di dites-nous euh, pendant que que je continue le le, le petit moment pub, d'où est-ce que vous euh, venez, c comment avez-vous découvert le euh, football, quelle est votre petite histoire, ça nous intéresse énormément. Euh, ça peut être vraiment cool. Parce qu'elle le fait. Donc, tac, ça c'était pour la partie multimédia. On a quelque chose qui est, euh, je trouve, très intéressant et qui, qui est très actif. Merci beaucoup à, 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 à. Il y en a beaucoup dans, dans, dans le chat, mais je pense à Lucamea, un Reizo, à plein qui sont. Long... Je sais pas s'ils si, sont là sur le live, mais un Polydor, un Rafin. C'est plein de. Plein de, plein de mecs super actifs sur le Discord football. Euh... Tu t'es lancé dans une liste, faut jamais faire ça parce qu'on est sûr ouais, qu'on va en mais... oublier un. Hein <laughs> enfin voilà, t'as Olivier, Olivier Discute avec nous au quotidien, que ce soit sur Discord ça. ou sur Twitter, on... tout le monde se reconnaîtra hein, évidemment. Bien sûr. Enfin voilà, ça permet de, de discuter, enfin, euh, de l'OL, de plein de sujets. On parle même de, d'histoire. De, il de, y, y, y a, des petits, euh, des, des petites sessions à euh, GeoGuessr aussi. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment histoire de, de, de. Il y a même mmh. du question pour un champion. Pour vous dire. <laughs> ah, ça, ça c'est incroyable. Il que que je vienne à une session question pour un champion. Ah, ça, ça, ça peut être cool. C'est vrai il y a que ça un test Avec des musiques, euh, absolument personne n'a découvert. Euh... <laughs> Alors que existe depuis 1983, c'est vraiment, c'est comme dirait Robin Molina, euh, grande D. Hein. C'est grande D. De fou. Euh, D'ailleurs, si, euh, si vous voulez venir, euh, je vais vous mettre dans le, dans le chat. Point d'exclamation. Euh... Alors, je ne sais pas s'il y a le point d'exclamation. J'ai un doute. Ah. ah, bah non, on pas... ah. ne l'avait pas fait. Je crois, il me semble qu'on l'avait fait plus. la dernière fois. Mais no normalement, vous avez ce lien pour rejoindre. Voilà. Vous avez, je vous ai mis le lien dans le, dans le chat où vous pouvez cliquer dessus pour, euh, pour rejoindre, le, euh, pour rejoindre le, le Discord si c'est pas déjà fait. Donc n'hésitez euh, pas, Là, on est, on est une centaine à peu près euh, sur, sur le Discord, c'est vraiment cool. Euh, donc voilà, et puis euh, ensuite euh, le Twitter, le Instagram pour euh, tout ce qui est débrief et puis, euh, puis rappel euh, de, de, à chaque fois qu'on qu fait quelque chose. Voilà, vous avez fait le quand, à la mi-temps de, de chaque match on fait un petit rappel euh, qu'il y a le, le live juste en suite. sur l'Instagram le, le, il y a tous nos débriefs de, euh, de chaque match comme par exemple pour le PSG avec euh, avec euh, voilà, le dynamique, la composition de toutes nos notes, les tops, les flops les notes qu'on va faire euh, juste après en deuxième partie euh, du live d'ailleurs il faudra, faudra un peu se grouiller euh, et puis la dernière chose c'est comme vous avez vu avec euh, ma magnifique tasse football, vous avez eu, euh, accès à la boutique football avec euh, des switchers, des t-shirts, des, des mugs, comme vous avez ici des coques de téléphone, des tapis de souris, que ce soit en format normal ou XL. Des, des bardeurs pour la team, la team Muscu évidemment, la team CrossFit. Voilà, vous avez tout ici. Euh, ça, vous, ça vous permet d'obtenir un, un, un petit quelque chose de, de football et en même temps euh, nous soutenir euh, dans notre projet on y passe quand même beaucoup de temps et euh, à chaque fois qu'il y a un follow un abonnement euh, une petite c'est une petite contribution à la récompense quoi. Ouais, c'est ça la, la récompense pour euh, pour montrer que en, en produisant ce, ce contenu et eh ben euh, bah, ça sert à, ça sert à quelque chose <laughs> entre guillemets. Mais enfin euh, voilà. c'était euh, la petite minute enfin euh, la, la petite session euh, publicité. N'hésitez pas, à, si vous avez des questions, à venir en DM Twitter. Évidemment, euh, euh, nos DM sont, sont, sont ouverts, que ce soit sur euh, nos, nos persos ou même sur le compte compte Football. Voilà. Nous sommes, euh, nous sommes à votre Paris. écoute. Nous sommes parés. Et nous sommes parés aussi pour enchaîner avec la notation. Eh bah, je propose, des joueurs. Euh, surtout qu'on a un petit peu moins de temps que d'habitude, on a beaucoup parlé déjà, qu'on change un tout petit peu. Et, euh, et qu'on parte sur euh, la nomination chacun de nos top flops. Oh, la euh... de là, la quoi La fin de frappe là. Tu je... <laughs> ma... moi je peux y aller hein. Je t'en prie. Bon. Que je réfléchisse un flop. petit peu là, pendant, pendant deux minutes. En flop, pour moi, il y en a un qui n'est pas un joueur, mais qui est obligé d'être mis selon moi. Et Garcia et le collectif, donc on a comme on a dit, on l'a déjà bien développé, une absence de collectif, on voit pas d'équipe sur le terrain, et le principal responsable de ça pour moi, c'est Garcia. On a été, je trouve, sur football, l, vraiment très, 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 très euh, indulgent. indulgent avec Garcia jusqu'ici. Moi, j'en je, ai marre d'être indulgent avec Garcia jusqu'ici. Au bout d'un moment, il mérite d'être dans les flops. Donc, pour moi, Garcia, euh, cette semaine n'y échappera pas. Ça fait quatre mois qu'on attend que, que quelque chose change. Ça fait quatre mois qu'il nous resserre la même sauce. Au bout d'un moment, ton, ton ketchup, quand il est ouvert depuis quatre mois, euh, il n'est <laughs> plus très bon. Hein, on ne va pas se mentir. Donc, euh, donc voilà, euh, pour moi, il ne va pas y échapper cette fois. C'est une nécessité. Ensuite, en deuxième flop. En deuxième flop, pour moi, il euh, y a du bois. Du bois, euh, je l'ai trouvé cataclysmique. Qui se blesse d'ailleurs je... Qui et se as blesse La tu l'empêche d'aggraver le. La providence je lui a dit pop pop. un peu. Je te sens un peu pas trop dedans là. Puis on va te, te donner l'excuse pour sortir et qu'on t'oublie un petit peu. Euh... Ça va te. te c'était une catastrophe. Chaque ballon qu'il a touché, j'ai l'impression que c'était un contrôle manqué qui allait en touche. Moi, ce que j'aurais <laughs> envie de voir pour, euh, en, en termes de stats euh, au niveau de Dubois, c'est une, euh, une map de toutes les directions de passe de Dubois. Je pense qu'on ah, on est, du... ouais. qu est sur du 80% de passe euh, transverse, enfin horizontal. Latéral Latéral, merci. Latéral et vers l'arrière. Et en équipe de France, quand il a pu jouer, mais c'était la même chose qu'à qu l'Olympique Lyonnais. Mais vraiment, il y avait juste le t-shirt, le, le, le maillot qui changeait. D'ailleurs, ça m'a fait, ça fait tiquer de ouf quand, quand le commentateur a sorti la phrase suivante Dubois, virgule, le seul joueur lyonnais appelé en équipe de France. <laughs> Je me suis dit attends, le seul joueur lyonnais appelé en équipe de France, c'est le pire joueur. Dans, dans les pires joueurs de Lyon, et c'est le seul qui a pleur d'équipe devant, franchement ça m'a fait tiquer très très fort, mais je, je je... c'est un comble de ouf, et je, vais, et je vais reprendre la main pour finir ma sélection, euh, ma sélection des, des flops sera... Euh, et je suis désolé parce que ça va être plus que trois flops du coup parce que, parce que pour moi il y a tellement rien eu ce soir que <laughs> je, peux même, je peux même pas parvenir à sortir un des membres du trio de trois pour dire qu'il a été pire que l'autre pour moi c'est juste le trio de devant qui a été qui a été, euh, qui, qui a été proche, proche du néant quoi qui a été d'un du, 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 niveau mais abyssal on a un Memphis qui a tout raté, mais vraiment tout ce qu'il a fait, il l'a raté. Hein. On a les deux autres autour qui n'ont et et rien fait. Qui n'ont rien fait en particulier en première mi-temps. J'ai été surpris d'ailleurs de voir Toko et Kambi aller à l'interview de mi-temps parce que j'avais même pas remarqué qu'il était sur le terrain jusque-là. Et pourtant, son, même... son analyse était plutôt cohérente. Hein. Ah, mais l'analyse. Ah, bah oui, et en même temps, il regardait le match. Donc, euh, effectivement, euh, j'espère que son analyse était cohérente. Il a fait une bonne oui. prise de notes. Voilà, c'est ça. Et, et d'ailleurs, sur la prise de notes, je me demande, je, je rebondis, hein, je me demande ce que note Garcia dans son petit calepin à chaque fois, parce qu'il en note des choses, hein, mais pourtant, rien ne change. Euh, il le... s'entraîne pour, euh, pour des euh, pour des prints. pour des entretiens. Ouais. Non, non, en fait, des études hein, les gars. Enfin, je cherchais pas. <laughs> C'est grave. Donc oui, mon troisième flop, c'est le trio offensif qui a été tout à fait cataclysmique ce soir. Ensuite, au rayon des tops. Alors au rayon des tops, je mettrais. Tu voudrais pas qu'on dise nos flops avant de passer Allez-y, allez-y. ça on reste quand même dans l'idée. Alors moi, mes flops, mes flops du match. On va dire que je vais commencer offensivement parce que c'est les plus simples a eu un flop, enfin a fait un flop et je veux dire que c'est pas le même flop que les derniers matchs qu'il a pu faire, non pas parce qu'il a été meilleur, non, mais plus parce que cette fois il s'est créé quelques occasions, qu a, mais qu'il a loupé. Et ça, c'est quelque chose que depuis, depuis pas mal de journées, il n'arrivait plus il ne se crée plus du tout d'occasion. Ou alors c'était genre des tirs de loin ou des tirs vraiment contrés en mode euh, tir du désespoir. Alors là, il n'est plus efficace. Euh, mais en soi, euh, je ne vais pas dire que c'est une avancée. Mais dans son malheur, on peut voir une certaine progression, même si euh, c'est très loin encore, évidemment, du, du KDOR qu'on a connu en début de saison. KDOR, donc, mon premier flop. Le second... Euh, Toké Kambi, qui n'a pas trouvé sa place sur le terrain ce soir, euh, il savait pas où se placer, côté droit ou côté gauche, alors je pense que c'était aussi une consigne de Garcia de dire essaye d'intervertir les postes. Pour essayer de semer un petit peu la panique, sauf que pareil, c'est encore tu navigues à vue, il n'y a aucune direction. C'est vas-y, mets-toi des deux côtés et, et <laughs> en fait, c'est une tactique qu'on a pu voir notamment en équipe de France. Je reprends, je reprends cette... cet exemple. C'est une tactique en mode euh, coup d'un soir pour essayer de surprendre l'adversaire. Sauf que ça peut peut-être marcher pour des joueurs qui ont vraiment un sens tactique qui savent vraiment gérer. Euh, gérer euh, leur propre tactique en mode il euh, y a une, une alchimie parfaite entre eux et ils arrivent à, à, à bien s'entendre, mais dans la majeure partie des cas, euh, dans une tactique offensive, tu as besoin de postes vraiment définis pour que des décalages se fassent naturellement. Et donc, euh, pour moi, Toko il a juste un problème de non-connaissance du poste euh, qu'il occupe et donc il essaye de, de se le créer il essaye de réinventer son poste le problème c'est que c'est un poste qui n'a pas été inventé et pour une bonne raison c'est que ça ne fonctionne pas <laughs> euh, donc c'est pour mon second flop et euh, mon troisième euh... j'aurais dit garcia parce que évidemment euh, ça rejoint à ce que tu disais euh... Euh, Ferrandino, c'est à dire que si ça n'a pas marché ce soir, c'est certes parce qu'il n'y avait pas la tactique, euh, enfin, c'est pas que c'était pas, pas qu'il n'y avait pas de tactique, il y en avait une, mais ce n'était pas la bonne qu'il fallait euh, mettre. Euh, je pense c'est surtout un manque euh, de gestion du collectif en termes d'ambition. Il n'y avait pas d'envie sur le terrain ce soir. On l'a vu dans le chat, ça a été notifié quelques fois, j'ai vu les messages. Euh, quand il y a eu l'égalisation de Lyon, tu avais quasi zéro réaction. Alors que c'est pourtant à des moments comme ça que tu, dois, hein, que tu dois avoir les cadres, ou en tout cas hein, le capitaine, enfin des joueurs euh, importants leaders qui, se réun qui réunissent le groupe en disant « C'est le, le genre de match. » doit gagner faut y aller il nous reste dix minutes faut le mettre faut en mettre un là t'as pas tu as chacun des joueurs qui reste dans son, son petit bord du terrain et il n'y a pas il euh, n'y a pas cette réaction ce piment qui est le la petite étincelle qui permet d'être d'être champion et, euh, et, et je ne vais pas dire que c'est euh, un problème depuis, depuis, euh, depuis quelques temps à l'OL, mais en tout cas en ce moment, c'est, euh, je pense, la chose qui, euh, malheureusement, va faire qu'on perd des points facilement. On a, pu, on a pu le voir avec les derniers matchs et avec euh, le nombre de nuls qu'on a pu faire euh, au cours de cette saison quand même assez impressionnant, même si on 10. a eu une série. Ouais, 10. 10. Le, le... Plus gros score de nul pour le top 4. Ensuite, mmh. tu Lille qui en a fait 9, Monaco 5 et Paris 3 seulement. Ouais, mais Paris qui a 8 défaites, je crois, au ça. total. Mais Paris enfin... et Monaco on par un nombre de défaites vraiment euh, deux fois supérieur à celui de, de l'OL. Faut pas oublier que un nul, c'est uniquement un point que tu récupères. Et un point, autant dire que c'est quasi comme une défaite. Donc voilà, c'est à peu près mes, mes, mes trois flops. Euh, enfin Memphis, en soi, c'est... Euh, je ne vais pas dire qu'il ne vaut pas un flop, parce qu'il le mérite, amplement, mais il faut que j'en mette trois. Euh, je vais juste dire que lui, au moins, il était en mode, il a rien qui marche. Je, je l'ai vu faut aller voir le, le coach en disant, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, essayer de trouver vrai, les réponses. qu'il est, vrai qu est allé le voir. Il est allé le voir. En disant, même Guima Guimarèche aussi est allé, est allé le voir pour dire euh, Je comprends pas ce qu'on fait, enfin, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a une solution Et on a pu voir que euh, euh, notre coach n'en a pas trouvé. Au vu du résultat, en tout cas. Donc voilà. C'était euh, mon petit monologue, ma petite analyse du, du match. Et je vous laisse euh, Taken. Nous, euh, nous donner ces trois flops. On va pas être très original. Hein. Dubois, calé <laughs> Ouéré, pour euh, toutes les raisons qu'on a évoquées. Et, euh, et Garcia, parce qu'après, on va dire que je vais mettre Garcia en numéro 3 parce que ce que j'aurais mis si c'était pas Garcia, ça aurait été. Tu, tu prends un petit sac, tu vois, et puis tu mets <laughs> simultanément Cornet, Mendes, Toko et Gambi et Memphis ce soir. Mm. C'est-à-dire que c'est tous ceux qui ont un peu. enfin voilà qui, qui m'ont déçu. Euh, pour certains une fois de plus sur, euh, sur ce soir ceux par contre on va dire alors sans forcément euh, non plus euh, les, les déclamer comme, euh, comme top mais qui m'ont un peu redonné, euh, redonné un peu de beau moqueur ce soir c'est euh, Guimarães Paqueta et Lopez même si Lopez il a fait une énorme boulette euh, première mi temps mais tout il le reste des belles, quand même. tout le reste son match est honnêtement est, est, est assez sérieux assez fiable alors, évidemment, il y a eu cette affaire de, 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 de but encaissé qui, heureusement, a été annulée avec la main un peu, de, un peu discutable, peut-être, de, de Sotoka. Rien de discutable. Disons qu'elle a été commentée, même si la règle dit que tout va bien. Et, et y a attends, de... attends, on nous a retiré un but de Nayar pour ça. Ce n'est pas, pas maintenant qu'on <laughs> qu allait se prendre un but pour la même on, raison. On hein. s'est pris, pris un pénalty, on rappelle quand même, euh, contre la Juve. Parce que Memphis a touché. Ouais, C'est vrai que j'ai pensé à ça, ça aussi. Un... C'est-à-dire le, le bras est vraiment euh, collé au corps, mais ça, ça, ne, ça ne. Comment s'appelle ça, ça suffit en fait à, à déclencher. Hein. Surtout qu'elle était faute là-bas. Elle, elle, elle sortait en 6 mètres, hein, la frappe. Oui, elle n'était oui. pas cadrée, bien sûr. Non mais que je, disais, je disais discutable dans le sens où les gens, beaucoup de gens s'en sont plaints un peu, n'ont pas forcément compris ou ne connaissaient peut-être pas, pas la pas règle. Il pas comprendre. Là. Il y a une règle sur les offensives. De... Elle est débile. Elle est débile et il faut la changer. Mais on peut pas, nous, euh, se prendre une annulation du but de Denayer et ensuite euh, que eux, leur but soit accepté. Alors qu'en plus, Denayer, euh, de toute façon, ça serait. Enfin, ça allait dans le but, alors que, alors que là, si le joueur l'a touché pas de la main, ça allait pas dans le but. Mais bon, s'il il l'a touché pas de la main, il l'a touché du, de la cuisse, donc ça serait peut-être aussi allé dans le but. Mais enfin, restons mmh. ouais, cohérents fait... même quand c'est ce... de la merde. Mmh. Ça, ça, pour ça fait pour moi, c'est un peu ouais. de jeu. Oui oui, 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 oui. Donc voilà, mais hormis cette, ce, ce moment-là, du coup, euh, où Lopez a, a rendu le ballon vraiment, enfin, euh, il a paniqué complet. C'est là qu'on se rend compte que, que en termes de, de jeu au pied, bon bah. C'est pas, euh, pas du Ter Stegen, malheureusement, qu'on a... Ça m'a rappelé on a... le Benfica. Ouais, c'est un petit peu ça. Bon, alors, pour Benfica, on va dire que c'est un dégât. Benfica, c'était... Complètement, euh... complètement raté, là, c'est une passe qui se fait intercepter. Euh... Il y avait beaucoup d'espace, de... on va dire. Mais à part ça, il y a plusieurs parades. J'en ai noté minimum trois, mais il y en a peut-être plus, qui sont vraiment, vraiment convaincantes et, et qui, ont, euh... qui ont été assez utiles pour, justement, euh... bah, peu encaisser, au final son point On fort, a de hein, la chance sais. aussi euh, sur, sur certaines actions. Euh, je pense notamment à, à Seko Fofana quand rate euh, Rat deux belles. Hein, il a à trois mètres du but hein, sur une action et, et, et il loupe un petit peu la frappe. Ça arrive dans les bras d'Anto. Merci, merci Fofana. Oui, sa frappe n'était pas assez, euh, <laughs> assez euh, appuyée. Donc voilà, au final, Lopez, euh, bah, sans forcément non plus être rassurant. Euh... Enfin, si, on va dire que si, oui, voilà. Il l'a pas été non plus de manière démesurée, mais il a, été, il a quand même rassuré ce soir. Euh, sur ses, ah, sur je ses trouve arrêts. Il l'a pas le rassuré. Petit, le, petit, le, petit, le petit couac en, en première mi-temps qui aurait pu coûter vraiment très très cher euh, s'il y avait effectivement eu le but validé. Ah, moi, je dis complètement l'inverse. Pour moi, justement, il a assuré ses arrêts, mais il n'a pas rassuré sa défense. Alors la relation avec la défense, ça je ne sais pas vraiment quoi en penser. D'ailleurs, l'erreur qu'il fait en, en jeu-pièce, c'est un, un problème de, de mésentente avec Léo Dubois. Euh, ça a été précisé voilà, vois, par les le commentateurs. C'est parce que Dubois n'était pas suffisamment bien placé que Lopez a dû faire euh, marche arrière euh, et ensuite a perdu le ballon. Enfin, la passe de Lopez, malheureusement, il déclenche la passe quand Fofana est vraiment à 10 cm de lui et donc du coup, tend le pied pour l'intercepter. La... Pour la... Pour je sais pas si, oui, le déplacement de Dubois a peut-être causé pas, juste le pas, cette... pas le déplacement, place, le... Mais... le placement. Pour... Dubois était un peu trop par rapport à là où il devrait être pour, pour une relance. Et du coup, ça ensuite, ça entraîne tout le, le Qu'il qui a dans la défense. D'accord, ok, je, je crois que j'ai compris un peu, ouais. Mais justement, là, Lopez aurait pu, oui, c'est vrai, il aurait pu faire juste un, un, un dégagement au pied vraiment très, euh, très basique. Au final, il a essayé de jouer au pied. Peut-être que c'est une consigne euh, du, du staff, mais malheureusement, il s'est fait contrer. Ça aurait pu coûter très cher, mais heureusement, ça ne l'a pas été. Mais à part ça, justement, les arrêts sont, euh, sont assez convaincants. Ça, ça j'ai bien aimé. Sur le but, en plus, il encaisse, mais il peut... Fin... Quoique si, sur le but, en fait, euh, j'ai dit une bêtise. Sur le but, il peut, euh, il peut faire quelque chose, je crois. Oui, pour moi, oui, surtout que... Alors, je retire, mon, je retire mon Lopez parmi les, parmi les presque tops. C'est un, un arrêt qu'en face, Leka a fait trois fois, quoi, le but qu'on se prend. Ouais, ouais. Mais il se prend entre les jambes, en plus. Oui, oui. c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il l'a fait plusieurs fois, Leka. Sur catégorie d'ailleurs. Donc voilà, du coup, Donc, pour, mes, pour mes tops et mes, et mes presque tops, du coup, et mes flops. Du coup, en termes de, de flop, euh, vu qu'on les a tous dit, Cadubere euh, qui... c'est celui qu'on a en commun tous les trois, donc j'ai déjà mis en, en rouge. Mais ensuite, les deux autres. Du oh, bois, je pense aussi. Des... Garcia. <laughs> Alors, on, on le met. Le collectif en de Garcia. Euh, c'est obligé, enfin, genre, c'est... Mmh. Oui, bien sûr. Pour moi, les trois de devant sont obligés d'y être aussi, tu vois. Genre, ben, on peut mettre un truc je, en mode je, je, les, je... les offensifs et un, ouais. un truc euh, collectif. Du coup, en, en joueur, genre, euh, on met les, les trois de devant, mais dans la fiche euh, dans la fiche flop, on met deux cases. La première, les offensifs, et me la me seconde, va. Garcia et le collectif. Ça me Parfait. va. Parfait. Incroyable. Et en termes de, de top, euh, du coup tu t'en as déjà parlé, à Tekken, je sais pas si tu veux continuer. Bah, Est-ce que c'est des tops? C'est vrai qu'on peut en discuter, mais on va dire que Paqueta, c'est pas mal. Guimarèche, pareil, il y a eu 50 minutes qui étaient euh, qui plutôt bonne facture, alors malheureusement il, il s'est pris un jaune prématurément et donc est sorti par Garcia, peut-être par excès de prudence, mais disons que j'aurais bien aimé qu'il continue, quoi. C'est lui en plus qui est sur sur les, les passes clés pour euh, pour. Euh, Il vient quelques points, justement, qui bute sur qui bute sur les cas en deuxième mi-temps. T'as aussi une passe pour Memphis qui, est, qui a déclenché un, un, un tir. C'était pas mal honnêtement pour pour Guimaraes. Surtout qu'il était un peu à ce poste un peu bâtard entre 6 et 8, un peu un peu un peu en, en deux en, à jouer à deux positions à la fois quoi. Parce que surtout que c'est lui qui prenait la responsabilité de, de décrocher pour vraiment. Euh, se substituer à Mendes à la, à la relance euh. puisque Mendes lui est un cran plus haut à chaque fois à la relance ça aussi c'est faudrait peut-être euh, faire un focus dessus un jour pour, pour peut-être mieux comprendre pourquoi ça, ça marche comme ça mais euh. Mendes lui ne, ne prend jamais la responsabilité temps. de décrocher pour se justement entre les deux défenseurs centraux pour relancer et se, se dissimule un peu dans le rond central Donc, je sais pas si c'est fait sciemment ou non mais c'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu. qui oui, m'a à oui. justement de, de, de se montrer beaucoup plus on va dire et Olivigno qui euh, se réabonne. Ah. Trois mois d'affilée. Merci énormément, Olivinho. Merci beaucoup, merci beaucoup pour, ton, pour ton resub. Trois mois d'affilée. Merci, merci, merci. C'est le boss. Et bienvenue que tu ce soir réseau. aussi, parce que tu viens oui. d'arriver de ce que je vois. Du yes. coup, hello. Bienvenue. Le phénomène oh. <laughs> C'est bien, ça le... réveille le chat. Ouais, <laughs> voilà, c'est le but de Paqueta, tu vois. C'est tout le monde commençait un peu à, à ronfler et puis hop, il fallait quelque chose pour. Euh... Non, non, et ouais. Paqueta, c'est pour moi le, le, le seul top que personnellement je mettrais dans ma sélection ce soir. Ah, peut-être aussi de Naya. En vrai, de Naya, je trouve qu'il a fait une, <laughs> ouais, un, un, ouais. un vrai bon match. Mmh. Euh, je, euh... Je, je sais pas, faut que je revoie le but, tu t'avoue. Mais euh, s'il est pas fautif sur le but. Euh, moi je mettrais bien Denayer parce qu'il a été souvent présent, notamment dans les, les duels dans les pieds, les interceptions. Mmh. Euh, ouais, il, il a bien serré pas. à gauche, il, il a empêché pas mal de choses. Donc euh, Encore je, une je fois, notre... assez convaincant Denayer. Encore une fois, notre charnière Denayer en Marcelo a été très complémentaire. Bah, et, encore et une fois, oui man. et non, parce que elle, le dernier, enfin, il nous avait laissé sur un sur un modèle de match catastrophique, un petit peu le seul match catastrophique de notre charnière de cette saison d'ailleurs contre le PSG. Donc du coup, je trouve que c'est bien justement que euh, qu'elle qu se relève tout de suite, quoi. Qu'elle mmh. se relève oui, le match après, sûr. remettre les pieds à la, les têtes à l'endroit. C'était important et je pense qu'ils l'ont bien fait ce soir. Et de Nayer, c'est euh, encore plus illustré euh, pour moi mmh. cette fois-ci, en tout cas. Euh, dans, ce... dans cet apport là bon, encore une fois c'était plus euh, globalement euh, en prenant en compte toute la saison mm -mm. Mais, euh, mais oui bien sûr et le, le fait en fait euh, que ce soit aussi un sujet d'actualité avec euh, la prolongation des deux euh, en tout cas de Marcelo qui a été confirmé et puis de, de, de Denayer qui est euh, dans, les, dans les rumeurs on parle de 2025 pour, euh, pour Jason c'est encore une fois euh, encore une fois euh, de très bonnes nouvelles euh, du coup, on mettrait Denayer en top. Si il faut que je revoie le but, mais okay. euh, si, oh, si c'est pas lui de... sur le but, Denayer en top. Euh, le le... En fait, c'est un, le... un petit peu bizarre parce que la passe de, de Kakuta en fait transverse la, la charnière qui était beaucoup trop espacée. Ouais. Et, Clau... Et oui, du coup Klaus se, se, se projette en fait dans la profondeur laissée entre les deux. Bon, je sais pas si c'est plus de Nayer que Marcelo, j'aurais plutôt envie de mettre les deux. En fait, ce qui se passe, c'est que tu t'as Cornet et de Nayer qui sont en duel avec deux joueurs qui sont vraiment excentrés sur le côté. Le lat... et, euh, parce que, en gros, as le latéral qui fait un appel et ça emmène de sur le côté. Et du coup, Marcelo se retrouve avec euh, deux, euh, deux l'ensois à marquer et euh, bah, du coup euh, différence euh, numérique et, euh, et but donc je fin... là dessus euh, j'incriminerai euh, pas de donnailleurs mais, euh, mais plus la, la charnière qui a été pas la charnière mais le la défense entière ou même euh, les, les milieux qui sont qui devaient être là en, en, en supériorité numérique pour combler euh, pour combler ce manque ah Morrison dans le chat nous dit que c'est peut-être Mendes justement qui, a... qui est par mmh. descendu pour, euh... Ouais, je par... il je partir en plus là-dessus qui est aspiré sur la gauche. Mmh. Qui a un gros trou juste devant la surface et que c'est ça qui mène au but. C'est exactement mmh. ça ouais. ouais, ouais, ouais. Okay. Et Klaus justement s'engouffre ouais, bon, bon, se... oui. dans cette, euh, cet espace là, voilà. peut-être justement voilà. pas suivi par Mendes ce que nous dit euh, ce que nous dit Morrison dans le, dans le chat. Exact. Merci beaucoup pour, euh... pour ta confirmation. Excellent. Du coup, on partirait donc sur un Donner à en top, et je suppose pas de troisième. Il n'y a pas oh. besoin, je crois. Non. Ouais. C'est positif, mais de le mettre en top. Oui, c'est ça, et puis... Voilà. Lopez, pareil, c'est ouais. pas si mal, mais pareil, ça ne mérite pas. Hein. Ouais. Bon, en donc, fait, c'est présentation correcte. Il aura la moyenne. Mais euh, c'est pas dû, euh, du... C'est pas ça superbe, quoi. C'est ça. S'il avait arrêté le but qui se prend, là ça aurait été un très très bon match. Mais malheureusement c'est le poste aussi du, gard du gardien de but qui veut ça. Quoi. Euh, au passage le dans le chat, euh, étant donné qu'on a essayé un, un, une nouvelle formule avec euh, plutôt les top flops plus que, plus que les notes, N'hésitez euh, pas à nous dire si, si, si vous préférez, si vous aimez mm. moins, ou si euh, on peut essayer de, de chercher une manière de faire euh, quelque chose d'interactif aussi euh, avec les top-flops, euh, tout ça. voilà Si vous avez des remarques par rapport à ça, euh, dites-nous. Euh, je pense que je pense qu'on peut s'adapter à ce niveau-là euh, si, si jamais vous, vous préférez l'un ou l'autre. En, en soi, on a passé beaucoup plus de temps en, dans la première partie du live à vraiment discuter, euh, discuter avec, pas mal aussi, avec je vous, euh, discuter. Euh de 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 plans de, de, de sujets différents on a parlé même un petit peu de l'arbitrage et tout et euh, okay. je ne sais pas qui était trop long je préfère les notes Le ah bah qui dit on a justement qui, fait euh, ça parce que c'est beaucoup plus court plus interactif ok bah en vrai on pourrait faire mais une, juste, si, un on, trouve, des si deux on trouve si on trouve une manière de faire les top flops avec interactif Mmh. Est-ce que, euh, est que, est que ça pourrait vous, vous aller mieux Parce que justement pour moi, euh, on a fait top flop plutôt que les notes parce que c'est plus court, contrairement à ce, que, à ce que tu dis dans le chat, du coup je ne comprends pas trop ce. Je comprends pas trop le message avec les euh, disant que c'est trop long, étant donné que c'est plus court, justement. Peut-être trop long en prise de parole, c'est-à-dire où, où chaque, euh, où chaque mmh. interlocuteur pr prend la ah, parole oui. pendant quelques minutes, alors à l'inverse que pour les joueurs c'est plus, plus, plus rapide mais okay, okay. Bah, on peut on jeu, peut ouais. peut-être faire quelque chose du genre on balance chacun nos top flops sans, argu sans argumenter hmm. et ensuite on argumente sur pour se mettre d'accord sur euh, ce qu'on et, et limite limite on peut faire en mode euh, les notes uniquement au top et au flop par exemple oui ça peut être pas mal. Non, mais oui, mais à, là, ça, ça, ça rajoute encore plus de temps, par contre. Euh, là, ouais. là, dans mon idée, c'est bah juste justement temps, de, de faire juste moins de le temps. temps du, mais juste le temps euh, du vote, en soi. Parce que tout l'argumentaire euh, euh, devant euh, reste le même. Je sais pas. C'était un peu pour euh, être en mode de faire... Un... Enfin, reprendre les, 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 bon, les bons éléments qui me qui sont remontés. Mais euh, bon. Bon, bon. Oh, c'est un petit peu mystérieux au final. Ouais, on, a, on aura le temps de, de revoir ça aussi euh, de notre côté. Mais euh, merci de votre retour. En tout cas. Euh, donc voilà. Et. Euh... Peut-être peut peut dire un mot avant le match contre le Red Star, qu'est-ce que vous en pensez Le match du Red Star qui se joue le 6 euh, mars le du... dans, dans 3 jours. Le 6 mars, pas bah t'es bourré non. mec Attends. C est... C est... Non, non j'ai regardé. Mois, non non. excuse-moi, j'ai regardé le match du Red Star le, le 6 mars. T'inquiète, t'inquiète. J'ai ouais, bon, bon, Aujourd'hui, j'étais en mode euh, le match du Red Star qui joue le 12 décembre. <laughs> Je suis un peu dans le deuxième confinement, excuse-moi. Oui, dans le match du coup, du. Normalement, la qualité. Non, mais je regarde les matchs du Hercélands. Je me disais aussi. Je me disais aussi qu'il y avait un problème. C'est jeudi le match. Oui. Non, non, mais en fait, c'était bien contre l'Instar. C'était juste pas la bonne équipe. Grosse semaine là. On va, on va se retrouver pas ouais. mal euh, cette semaine moi, je... après Alors... la trêve internationale. Alors, je sais pas ce que vous pensez, mais je dirais que la Coupe de France, ça doit être notre objectif numéro 1 cette saison. La Ligue des Champions doit être notre objectif numéro un pour moi. Alors, euh... oui, moi je suis aussi d'accord avec ça. Après... Ouais. Euh... Mais, mais plus dans l'idée du trophée, tu vois. Coupe de France, il reste 4 matchs. Euh, en 3 du coup. Quart, demi et finale. Oui, il reste 3 matchs pour. Euh... Pardon, c'est un huitième là quand s'apprête à jouer. Oui, donc ok, c'est bon, j'ai refait le compte. Pour la Coupe de France, il nous reste quatre matchs avant un éventuel titre. C'est vraiment très peu au final. C'est moins que les sept, fi les sept finales restantes euh, <laughs> en, en Ligue 1. Donc effectivement, la Coupe de France pourrait être pas mal, mais malheureusement, la, la, la Coupe de France n'offre qu'une place en, en Europa League. Pff, Alors oui, si on doit aller en Europa League, je préfère mmh. la, la gagner via la Coupe de France que via la quatrième place, mais c'est une nécessité pour le club d'être en, en, en Ligue des Champions, surtout après le, les, les énormes prêts contractés. Mmh. Et puis pour de, nous aussi. Hein. Pro, on vendu. a envie l'année prochaine de commenter un Lyon Real. On n'a pas, on a moins envie de commenter un Lyon euh, bah, rien du Astana, tout. quoi. <laughs> Bien sûr. Tout, et j'ai pris Astana au hasard. Hein. Tout mon respect, tout mon respect aux, aux Astaniens. Je sais pas comment. Okay, bah oui, mais non, mais je voulais dire les habitants de la ville d'Astana. Ça pourrait être pas mal de trouver leur nom. Si c'est Astanien, franchement, Masterclass. Hein. Non, mais contre, je leur, so... leur, leur, leur souhaite de changer de nom, mais Masterclass. Ça, ça a changé, Là, maintenant c'est Nour Sultan, le... le nom de d'Astana. De oui. enfin, C'était oh, et... tellement bien comme nom. Je, je kiffais je Astana, je trouvais temps. ça trop le stylé. Les nos pourront nous renseigner. <rire> <rire> mais, et, 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 et du coup, moi je me demande, est-ce que le, est-ce que le. Je vais aller me renseigner sur, sur si l'équipe la... cycliste va aussi changer de nom. Parce que euh, ça s'appelait Astana en fait. L'équipe kazakh de, de cyclistes euh, s'appelait Astana. Euh... Ils n'ont pas changé de nom, euh, l'équipe cycliste. Vu que c'est une marque déposée. Je sais pas Mais quoi. moi j'aimais bien le nom Astana. Genre, je trouvais, ça, je trouvais ça classe. Non, mais en vrai, je, trouvais ça, je trouve ça plus classe que, que Nour Sultan. Ton, ton bon, après, c'est au son, niveau sonorité, tu vois. Ton monde s'écroule. Non, mais c'est comme, par exemple, personnellement, et, 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 et je parle que de sonorité. Hein. Je vais pas rentrer dans des débats historiques ou, ou, ou je ne sais quoi. c'est n'est pas le sujet. Je parle juste de sonorité. Est-ce que, est que vous préférez pas Constantinople à Istanbul Moi, je trouve que Constantinople, ça claque de ouf le nom. Bah, Constantinople, c'était... Euh... t'as raison, faut pas qu'on rende les trucs historiques. Je, je préfère aussi Constantinople. Ouais, je, par... je parle juste niveau sonorité. Hein. Vraiment, rien, rien de... R... Pas de notion historique, de rien du tout. Juste non, au niveau de la sonorité. Il y a Byzance qui est, est légendaire. Ah non, moi je préfère Constantinople à Byzance. Mille fois. <laughs> Bon ouais, voilà, ouais. on s'est un peu égaré, c'est la fin de live, c'est toujours un petit peu. C'est la comme fin de ça. live, c'est le bon débat. Et puis, tu... Morrison, Morrison t'es es, es nouveau, il me semble, tu vois, typiquement. Ça, c'est ce que tu peux trouver sur, sur le Discord. Donc, euh... ouais. Ah oui, si... mais <laughs> c'est pas 5 minutes, tu vois, ça va être vraiment dur. Euh... Genre, ça part toute une soirée en euh, cours, euh, cours sur, sur, euh, sur Constantinople, genre, sur toute l'histoire et tout. <laughs> c'est vraiment. En vrai, c'est vraiment trop cool c'est un truc cool ça va pas en en, en spécial euh, <laughs> les rues d'Istanbul <laughs> incroyable se bon, nous quand même sur sur notre affaire du du, du Red Star là oui quel pronostic là comme ça sans sans trop réfléchir euh, vous, victoire victoire, victoire on en met au moins 3. ouais et victoire ou Calif attention Vi victoire. victoire victoire et qualif et, et 3 buts. Moi j'aurais dit victoire par plus de deux buts. En, en fait, part deux buts ce, ce, que je me, ce que je me dis, et ce qu'on avait pu dire aussi dans les, dans les derniers lives, c'est que en Coupe de France, on a l'habitude de jouer en 4-2-3. Et le fait de changer de schéma de jeu, et aussi de varier le joueur offensif, avec notamment du, du Cherki qui rentre, ou euh, la dernière fois il y avait un, un Slimani qui avait pu rentrer, mais là malheureusement il ne pourra pas jouer à son carton rouge. Oui, bah qui est. Elle... Enfin, alors certes son tir est un peu écontré ensuite, et ensuite amène le but, mais en soi on peut dire qu'il a été décisif de par sa volonté de, de, de tirer. Bref, le fait qu'on change un peu euh, tout ce qui ne fonctionne pas en Ligue 1 pour la Coupe de France, ça ouvre les, por les portes à beaucoup plus de buts et ça libère un petit peu tous les, les esprits et ça libère aussi euh, l'efficacité lyonnaise. Donc, pour moi, je vois euh, Victor Lyonnais avec euh, euh, au moins trois buts euh, de marqué. Et but de, but de Cherki. Euh, Olivignon, je te conseille de regarder la, la rediff du live euh, parce que tu as raté justement -tout, tout, tout ce que tu viens de dire dans ton commentaire. On, on <laughs> en a parlé pendant facilement 30 minutes. Donc, regarde la rediff qui sort, qui sort demain, yes. je te conseille. Demain, euh, demain midi, comme ça, tu te poses toute l'après-midi, pépouse. <laughs> Oui, je, moi je me demandais, est-ce que vous pensez qu'on aura euh, Ben Lamry et Howard disponibles pour le match contre le Restar Ou au contraire, resteront-ils euh, absents Howard, euh, il est indisponible à cause de quelle blessure Howard, c'est les adducteurs toujours. C'est un peu endémique. C'est les fameux adducteurs qui traînent depuis, euh, okay. plus, depuis le mois d'octobre, au moins de, de 2020. Du coup, euh, ça fait un moment, c'est récurrent et on ne sait pas vraiment euh, quand est-ce qu'il en sera vraiment débarrassé. Mmh. Bah après ta question, je trouve à, 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 oui, à oui, pas oui. tant de sens que ça, si. Parce que enfin, on est, c'est pas comme si on était des Madame Irma ou quoi. Enfin, genre s'ils si, si reviennent tant mieux, puis s'ils sont pas encore remis. Enfin euh... bah, bah, oui, voilà. c'était plutôt j'allais à la pêche aux infos, Peut-être que vous auriez vu passer quelque chose. Euh... Malheureusement non. Qui aurait échappé. Non, non, non. Voilà, pour Benhami, il est revenu blessé musculairement du coup et, et était absent contre Lance, mais mmh. j'avais pas vu d'infos sur euh... sur. Euh... La date un peu de, de son retour dans le groupe. Mm. Voilà, peut-être peut que quelqu'un a une info ou non. Euh, wait and see. Yes. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir euh, terminer le live euh, là-dessus. Puis oui, évidemment, ouais. Livinho, euh, tu peux toujours écouter le live en fond hein, en, regardant, euh, en regardant en regardant enfin en jouant à FM. Ouais. Ah ben bah c'est franchement, c'est une très très belle alliance, je trouve. Ouais, on... c'est ce que je fais Donc toujours euh... hein. sauf que du coup moi j'écoute pas mon propre live parce que ce serait un petit peu <laughs> un petit peu bizarre mais euh... mm. mais je non non je, je mets le live genre de je sais pas de, de, de domingo qui est sur, euh... qui, qui joue aussi à fm mm. et puis moi je joue sur ma sur ma save, ouais. moi. Moi, moi là en ce moment euh, mon petit délire Il est... tout euh... okay, moi en ce moment plutôt mais... ouais, moi, moi c'est euh, minecraft modé avec euh, des euh, des con... des, euh, des interviews de The Thinkerview euh, sur, sur le côté. <laughs> en ce moment là, c'est euh, c'est euh, le bon plaisir. Ouais, faut qu'on cause bloc, euh, les Aluminium, bien sûr. Faut qu'on cause. <laughs> puis Voilà. Sur ce, pour euh, pour la dizaine de, de personnes qui qui nous écoutent encore, passez une bonne nuit. Et puis euh, et puis essayez quand même. Euh... Dans 4 jours, hein. Et, et puis essayez quand même temps, de hein. de vous redresser quand même ce parce coup, que. Je... Euh... On a d'autres objectifs qui arrivent très bientôt avec la Coupe de France et une, une possible Coupe qui pourrait, euh, qui pourrait euh, venir euh, un peu changer les habitudes lyonnaises de ces dix dernières années. Ça briserait la malédiction, surtout qu'en 2012, c'était ouais. aussi une Coupe de France, le titre... Euh, et puis ça, ça, remporté, ça, ça, peut, ça permet plutôt. aussi de, de changer les, 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 les mentalités, les blocages. En mode Lyon redevient un club qui gagne qui, qui, qui des trophées. Euh... C'est vrai que sur la période, il y a voilà. eu beaucoup, 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 beaucoup de clubs, sauf L'OL, qui ont, qui ont gagné des titres. Il hein. y a eu Strasbourg, il y a eu Rennes, mmh. qui mmh. gagnait rien depuis mille ans. Il y a eu Guingamp, il y a eu. Je ne sais, sais même plus qui d'autre. Il mmh. y a eu clairement. un peu tout le monde. Clairement, clairement. Et puis, et puis voilà, passer une bonne nuit, ou une, euh... <laughs> une bonne game de FM. Euh... <laughs> Si vous êtes motivé, vu que demain c'est dimanche. Et puis nous, on se revoit jeudi soir 23 ou 21h. Je sais plus. Il est à 19h le match euh, il, est 18h. il est à 19h, pardon. Il est à 19h Donc... Euh, jeudi, 19h. jeudi 21h en stream. Juste... C'est pas court. Euh, juste ici. Ouf. Incroyable. Ah oh bah ça se passe bien. <laughs> Ouf. Incroyable. Et puis, euh, et puis voilà, en espérant en espérant que Sharky claque un, un triplé pour qu'il... Et puis euh, petit à petit s'imposer. Hein <laughs> il, il y en a besoin. Et puis voilà. Bonne soirée. Euh... Ciao. Salut à tous. Salut. À jeudi soir. Salut. Salut. raison d'être heureux. L'Olympique lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Pas besoin de mettre un maillot, euh, des serpentins, des, des survêtements, des, 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 des cure-dents aux pieds.